Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver pour cette émission. Trois thèmes ce soir, comme d'habitude. Alors, on commence par le premier. Relayant une information rendue publique la semaine dernière par le journal Le Repaire, l'Association citoyenne de défense des intérêts des consommateurs, l'ACDIC, a alerté l'opinion publique sur l'imminence de la signature unilatérale des fameux accords de partenariat économique par le président Biya, des accords de partenariat imposés par l'Union européenne aux pays d'Afrique, Caraïbes-Pacifique, ce qu'on appelle très communément les ACP. Alors ces accords-là doivent en principe permettre un libre-échange entre les différents espaces économiques. Sauf que les experts s'accordent à dire qu'ils ne vont pas manquer de créer des graves problèmes sur les économies des pays comme le Cameroun, qui ne sont pas encore bien structurés. Alors, qu'est-ce que cela va entraîner comme conséquence si jamais le gouvernement camerounais décide de ratifier ces accords-là? On va essayer d'en savoir davantage avec nos invités qui sont présents ce soir sur ce plateau. On va revenir sur la publication par Elecam et conformément à la loi. Des listes des candidats des partis politiques retenus pour le double scrutin du 30 septembre prochain. En ce qui concerne les candidats à la députation, Elecam a rejeté 48 listes sur les 250. 63 listes sur les 797 ont été rejetées en ce qui concerne les conseils municipaux. Alors, soit au total 111 listes sur 1037 soumises à l'attention des élections Cameroun pour ces élections couplées. Au-delà de ces rejets-là, on a déjà enregistré beaucoup de plaintes contre l'ECAM. Par exemple, certains estiment que cet organe-là est une sous-section du RDPC, qu'il favorise le parti au pouvoir. Avec nos invités, bien sûr, on va revenir sur les premières surprises que l'on peut noter après la publication de ces listes-là. On parlera bien sûr de l'inamovible président du Zimbabwe, M. Robert Mugabe, en poste depuis 1980, ça fait quand même 33 ans. Il a 89 ans. Il vient de se faire réélire une énième fois pour un mandat de 5 ans, avec plus de 60% des voix au premier tour, contre son premier ministre et principal opposant, Morgan Tsvangirai, qui est en même temps le chouchou de la communauté internationale. Alors, qu'est-ce qui fait sa force? Qu'est-ce qui explique sa détermination à rester au pouvoir? Est-ce qu'il ne sera pas candidat en 2018? Il aura 94 ans seulement et il va peut-être briguer un autre mandat. On se rappelle qu'en 2018, dans un autre pays, il y a aussi des élections présidentielles. Ce soir, nous avons quatre invités. Monsieur Robert Mouté, ambassade du RDPC. Bonsoir. Bonsoir, Thierry. Juste en face de vous, nous avons Monsieur Delors Kamgeng, Association des consommateurs. Ligue. La Ligue, hein, des consommateurs. Bonsoir, merci d'être arrivé de Yaoundé. Hein. Je vous ai pris sur le vif, mais vous êtes rapide. Bah, disons que je suis content de retrouver mes consommateurs. C'est-à-dire que ces gens qui souffrent, vous savez, nous sommes dans un contexte où les consommateurs ont soif. Ils ont soif d'eau, ils ont soif De bière aussi? de. Non, non, pas de bière. Parce que vraiment, si c'est la moitié de bière, ils sont. Leur soif n'est plus. Ils ont plus soif d'eau et d'électricité. Donc, d'accord. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays assoiffé d'eau et Mais d'électricité. ce soir, on n'en parlera pas. On parlera d'autre Même chose. si on n'en parle pas, mais c'est bien de le dire. C'est bien de dire que nous avons quand même des verres d'eau sur la table, mais que des consommateurs ont soif d'eau Ce et sont des verres d'eau d'électricité. minérale en plus, hein, il faut préciser. Mais l'eau minérale C'est pas de l'eau. Hein? n'est pas à la portée des consommateurs camerounais. Hein. C'est-à-dire qu'il faut bien que les Camerounais puissent avoir de l'eau sortant du robinet. C'est Une pour eau de qualité, rassurer une eau. les invités que l'eau n'a pas été puisée au robinet. Donc la qualité du Maître robinet. Kengoum, bonsoir. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, ça fait longtemps. Bonsoir Thierry. C'est un plaisir pour moi de retrouver votre plateau. Tout comme en face de vous, nous avons M. Évariste Fokoussi, qui est un ancien député du SDF, qui est candidat à la mairie de Bandjoun contre M. Fotso Victor du RDPC. Contre le RDPC, Thierry, la liste du RDPC. Pour le moment, je ne sais pas encore qui est dedans. Je n'ai rien contre Papa Fouto en personne, mais j'en ai gros comme ça au cœur contre le RDPC. Bon, d'accord. Merci. Je rappelle bien sûr que vous avez le numéro
qui s'affiche et qui nous permet de, qui vous permet de nous envoyer des messages que nous allons nous faire le plaisir de lire sur Just TV, sur Camtoo et autres. Commençons par le Zimbabwe, pour aller rapidement. Hein. On va commencer par le Zimbabwe. Alors, 2002, 2008, 2013, et même depuis 1980, hein, chaque fois, le vieux dirigeant de 89 ans, il réussit à se faire élire, M. Robert Mugabe. Cette fois-ci, c'est avec près de 61% des voix au premier tour. C'est un véritable plébiscite pour un mandat de 5 ans. 33 ans que cela dure. Selon vous, quel est le secret de ce monsieur? Il faut qu'on montre sa photo peut-être, hein, la photo de M. Mugabe. Hein, quel est son secret, selon vous, Maître Kengum? Parler de secret serait peut-être un mot un peu exagéré. Je dirais simplement, si Robert Mugabe est réélu plusieurs fois par son peuple, c'est parce que son peuple l'aime. Ça, au moins, ça, c'est une constance. Maintenant, si son peuple l'aime, pourquoi? Simplement parce que c'est un nationaliste. C'est un nationaliste, il aime son pays, il aime son peuple. Il faut se rendre au Zimbabwe pour mesurer cet amour que lui portaient les Zimbabwéens. C'est un pur nationaliste qui a fait beaucoup, non seulement pour le peuple zimbabwéen, mais également pour les pays limitrophes que sont la République sud-africaine. Il a été l'un des plus grands financiers de l'ANC. Le Zimbabwe a servi de base arrière et de zone d'entraînement pour les soldats de l'ANC. Il a sauvé le régime in extremis de Kabila, père, contre la montée en puissance des Rwandais, de Paul Kagame. Et surtout, il faut le dire, cet amour que lui voue son peuple s'est agrandi lorsque la communauté internationale, pour dire les puissances occidentales, se sont mobilisées pour le renverser. Alors lorsque vous voyez un peu l'image, quand on vous parle de ce nationaliste, il n'a aucun bien à saisir dans les pays occidentaux, dont l'Occident ne le tient pas. Et ça, le peuple lui en sait gré. Il est resté dans son pays, il vit modestement dans son pays. Quelques clichés de sa résidence ont circulé sur le net, mais c'est une construction assez modeste au regard des autres palais présidentiels en Afrique. Alors, d'une manière générale, c'est un homme qui aime son peuple, et il aime son peuple, et son peuple l'aime. Voilà surtout ce qu'il faut retenir de cette réélection, ou de cette élection répétée. D'accord. Robert Mugabe. Alors, Robert Mugabe, qui est aimé par son peuple et qui vit de manière très, très modeste, est-ce que ça, c'est vrai, ça, Evariste Wapusi-Fodso? Thierry, ça me fait sourire un tout petit peu parce que ce genre de romantisme révolutionnaire, je crois qu'il est déjà révolu en Afrique. Hein. Il faut laisser parler la réalité. C'est vrai, je reconnais ce passé glorieux de Mugabe, mais on ne vit pas que du passé. Qu'est-ce qu'il a fait de son peuple? Mugabe a apporté au début autant que Nyerere à la révolution africaine, à la lutte pour l'indépendance. Mais Nyerere a laissé un pays, Mugabe laissera un cadavre. Écoutez, ouais, il a beau être ce qu'il est, vous demandiez tout à l'heure quel est le secret de sa longévité. Longévité, je m'excuse. C'est simple. Il a institutionnalisé une dictature classique et comme toute dictature, son seul souci, c'est de rester au pouvoir. Son âge, ça ne lui dit rien. La situation de son pays, ça ne lui dit rien du tout. Les slogans, c'est beau. Maître disait tout à l'heure qu'il faut aller au Zimbabwe. J'aimerais bien qu'il se soit rendu, parce que s'il était parti et qu'il aurait vu ce qu'était, par exemple, le Zimbabwe, au moment de l'indépendance, il ne dirait pas ce qu'il dit maintenant. J'y étais. Non, mais je ne doute pas. J'ai dit que s'il comparaissait les périodes, il aurait compris que le Zimbabwe, ce n'est pas le modèle.
vraiment, ce n'est pas le modèle. Et Mugabe, encore moins. Il ne peut pas être servi de modèle pour les Africains. L'Afrique du Sud, à côté, a fait le même parcours, mais l'Afrique du Sud devient une étoile en Afrique pour la solidité de sa démocratie. Entre nous, pas de démocratie, pas de développement. Alors, M. Robert Mouté-Ambassa, 61% contre le chouchou des Occidentaux, Morgan Tsvangirai. On va dire quand même que c'est un bon score. C'est pas mal à 89 ans. Hein? Oui, disons que je pense qu'il a dit maître. Hein, Mugabe est un nationaliste. C'est quelqu'un qui a lutté, qui a combattu pour son pays, pour l'indépendance de son pays. Il est au pouvoir en place depuis. Et comme vous le savez, les élections font que tant que vous êtes élu par votre peuple, vous allez être là, quel que soit votre âge. Et je pense que si à 89 ans, il est élu à 61%, je pense que c'est le peuple qui a choisi que ce soit ainsi. Et n'oubliez pas une chose, cette histoire même d'élection, ce n'est pas une culture de chez nous. En Afrique, nos chefs dans les villages, est-ce qu'ils font des élections tous les 5 ans ? Non. Alors qu'on soit un chef de village, un chef de canton, un chef de premier degré, ou un chef d'un État qui regroupe des communautés, et tant que, ça ne gêne personne qu'un chef de village fasse 50 ans. Mais là, on parle d'un village. Pourquoi hein? je suis d'accord, ce n'est pas un village. J'extrapole pour dire que nous avons nos habitudes, nous sommes habitués à voir des gens rester longtemps au pouvoir et ça ne nous offusque pas. Donc aujourd'hui, la culture occidentale veut qu'après 2 ou 3 mandats, on change. C'est la culture occidentale. Est-ce qu'elle est adaptée à nos us et coutumes? C'est un point d'interrogation, mais moi je pense que si Mugabe est élu régulièrement au Zimbabwe, c'est qu'il est populaire. C'est qu'il est, non seulement il est aimé par son peuple, il fait ce qu'il y a à faire, et puis tant qu'il y a élection et qu'il gagne, il sera là. On ne doit pas mettre de limitage. Alors, ça veut dire moi, je transporte tout de suite, hein, ici au Cameroun, le président. Non, vas-y, toute ressemblance avec un État. Je vais dire ceci. Nous avons la chance d'avoir un président comme le président Biya, tant que nous allons l'élire, il sera là. Il est hors de question qu'on dise qu'il doit partir à cause de son âge, tant qu'il se sent physiquement fort, tant qu'il continue à travailler, il se sent à l'aise et que les Camerounais lui font confiance, il doit être là. Il est hors de question qu'on enlève quelqu'un parce que l'âge. Retournons à Harare. Donc, c'est pour dire que. C'est le président Biya n'a que 80 ans, c'est pas la même chose. Donc, mais justement, hein? Il est encore là. Il doit encore être là. Alors, Bella Kamgen, là, il a dit quelque chose. Nous, on a nos coutumes ici en Afrique, on a l'habitude de voir les présidents mettre l'on au pouvoir. Donc, pour lui, si le M. Mugabe, qui vient d'être élu à 89 ans pour 5 ans, si en 2018, il se sent encore capable, à 94 ans, il peut rempiler. Eh bien, si. Oui, mais je pense la que. La démocratie. Voilà, donc je pense que c'est l'intérêt du peuple qui prime. Et quand un peuple décide, c'est que c'est décidé, mais. Dans le cas du Zimbabwe, je ne crois pas que c'est le peuple qui décide vraiment. Parce que si on s'en tient aux commentaires des observateurs, il y aura eu plusieurs irrégularités. Et dans ce cas, et quand il y a irrégularité, ça veut dire que la volonté du peuple n'a pas été respectée. Et du coup, on s'interroge. Pourquoi se maintenir au pouvoir si c'est au détriment du peuple? Donc je pense qu'il ne peut pas faire comme... l'honorable Fopossi a dit, c'est-à-dire que fait la poésie, fait le romantisme dans une situation où la réalité est là, la réalité est toute visible, elle est tangible. Le peuple n'est pas vraiment content de ce choix-là qu'on lui attribue. Donc ce n'est pas vraiment le choix du peuple. Alors, mais on a quand même vu que l'Union africaine a crédibilisé les élections en estimant que c'était une élection qui était libre, crédible et transparente. Mais il y a quand même des curiosités auxquelles on a assisté. Hein. L'organisation de l'Union africaine avait quand même noté certains faits suspects avant le déroulement du scrutin. Par exemple, 37% des bulletins supplémentaires ont été imprimés. C'est quand même beaucoup. Hein. Il y avait 8,7 millions de bulletins pour 6,4 millions d'inscrits. Hein? Ça vient des gens qui l'aiment bien. Un grand nombre d'électeurs vient... ont voté. Oui, mais ça vient des gens qui l'aiment bien. Malheureusement disparu. Est-ce que ce sont pas quand même des gens qui l'aiment bizarre, hein? Ça vient des gens qui l'aiment bien. Ouais, là, tu peux mettre les chutes là pour dire que ce que tu cites illustre ma pensée. Ça montre que le peuple a été dupé.
et que ce n'est pas ce peuple-là qui a élu Mugabe. C'est-à-dire que ce sont les irrégularités qui ont porté Mugabe au pouvoir, et c'est ça qui le maintient. Donc, ce que l'honorable Fossi a dit est clair, c'est-à-dire que nous sommes dans un système où ce monsieur utilise des voies antipopulaires pour se maintenir au pouvoir. Donc, et là, je dis bien que on s'en tient aux observations des observateurs qui, eux, ont été sur le terrain. Oui, mais ils disent quand même que c'est transparent. Après avoir déclaré, on ne peut pas dire que c'est transparent. Mais vous avez 8,7 millions de bulletins. Pour 6,4 millions d'inscrits, le surplus arrive à où? C'est pas un peu suspect, Maître Kengoum? Non, écoutez, je voudrais quand même un peu rebondir par rapport à ce que M. Kamgen disait. Sans vouloir être désobligeant envers les uns et les autres, méfions-nous de projeter nos fantasmes camerounais sur les autres pays. Parce que, voyez-vous, nous avons, lorsque vous êtes dans votre maison et que vous êtes en difficulté, tout le monde n'est pas en difficulté. Pendant que vous riez chez vous, d'autres sont dans le malheur. Et pendant qu'ils seront dans le malheur, vous serez en train de festoyer. Donc ne pensez pas que tous les pays africains seront nécessairement à l'image de ce que vous voulez qu'ils soient. Le Zimbabwe, je vous l'ai dit, il faut y aller pour comprendre la popularité de cet homme. Tsvangirai et que la communauté internationale, je préfère encore dire les puissances occidentales, ont essayé d'enjoliver et de le présenter comme l'homme providentiel, est un homme fabriqué de toutes pièces par cet Occident. Quand vous regardez le suffrage obtenu par ce monsieur au Zimbabwe, vous êtes surpris parce qu'on a l'impression, en écoutant ou en lisant leurs journaux, que cet homme aurait pu faire un raz de marée. Mais ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que le Zimbabwe ne se limite pas à Harare. Il faut reconnaître qu'à Harare, où il y a une forte concentration d'une population jeune, Tsvangirai quand même attire à lui un fort pourcentage d'électeurs. Par contre, dans l'ensemble du pays, Mugabe est très aimé. Il n'est pas aimé au hasard. Je vais vous dire, il y a quelques années, il y a eu un embargo des puissances occidentales contre... on commence déjà à le lever progressivement contre le Zimbabwe. Je peux vous assurer, une baguette de pain qui en temps normal coûtait 150 francs se vendait à près de 80 000, 100 000 francs. L'inflation a atteint à près de 30 000%. On vendait une baguette de pain à 100 000, 150 000. Je vous assure, toute autre région... Dollars Zimbabwe? Non, je fais en termes de comparaison avec le franc CFA. Okay, je vous assure que tout autre régime... Vous serez tombé, n'est-ce pas? Tout autre... Non, vous ne pouvez pas parler d'impossibilité de ce que j'ai vécu, monsieur. Je vous parle de ce que j'ai vécu en cette époque. Mais même nous y avons été. Alors, ce que je peux vous... C'est que on n'a pas vu la même chose. Non, on n'a pas vous y avez été quand, monsieur Fakoussi. S'il vous plaît, j'avais la parole. Attendez, je vous donne quelques... J'avais la parole, monsieur Fakoussi. Il termine et puis vous prenez la parole. J'avais la parole. Vous allez vous donner quelques indications. J'avais la parole. Monsieur, je vous assure que cet embargo décrété contre le régime du président Robert Mugabe, tout autre régime politique en Afrique se serait effondré. Mais à quoi a-t-on assisté? À une mobilisation de la population derrière cet homme. Plus l'Occident le combattait, plus son peuple l'aimait. J'ai dit et je répète ce que a dit mon voisin de gauche et ami, Mouta Mbassa. Lorsqu'un peuple aime son président, mais vous n'irez pas faire un procès à un peuple qui est aimé, à un président qui est aimé par son peuple. Ça veut dire que même si faire un procès, dans 5 ans, il peut se représenter encore. Non, écoutez, ne faites pas un procès à un État, à un président de la République, d'être aimé par sa population. Non plus, ne faites pas un procès à une population d'aimer son président de la République. Excellent. Ils ne récolteront que ce qu'ils ont choisi. Alors, donc, respectons le choix Harry de Zimbabwe. Harry Dikoué, qui est à Kamtou.com, qui dit « Mais que faites-vous des propos de l'opposant Tsvangirai, qui dit que cette élection est une véritable farce ?» Valérie Sopoussi. Je regrette, mais ça ne sert à rien de placer le débat sur un terrain plus passionnel, plus sentimental, pour camoufler une vérité. Mon problème, ce n'est pas l'âge de Mugabe. Ça, vous n'êtes pas sûr. Moi, mon problème n'est pas là. Mugabe, il tient, il est en santé, il est citoyen, et conformément à la loi zimbabwéenne, il a le droit de se présenter. Mon problème n'est pas là. Mon problème, c'est il se présente pour quoi faire? Il est là. Qu'est-ce qu'il fait depuis 30 ans?
Vous qui parliez de la situation du boycott et tout ça qui a créé tous les problèmes, ça me fait sourire un tout petit peu parce que si ce monsieur aimait son pays, je crois que la meilleure façon de se sortir de cette situation serait d'instaurer un dialogue dans son pays, serait de laisser s'instaurer la démocratie et de laisser le peuple vraiment choisir. C'est pas parce qu'on est un héros de l'indépendance qu'on s'arroge le droit, qu'on prend en otage le pays et qu'on décide pour le compte du pays depuis 30 ans. Et qu'est-ce qu'il a fait du Zimbabwe pendant 30 ans? Et qu'est-ce qu'il va laisser au Zimbabwe? Svangirai. Il est premier ministre. N'endormons pas les Camerounais. Les Camerounais ne savent même pas qui on appelle Svangirai. Parlons du problème du Zimbabwe. Quelle est la situation du Zimbabwe? Quel modèle le Zimbabwe donne à l'Afrique à l'heure actuelle? C'est un anti-modèle, c'est un mauvais modèle, c'est le pire modèle. Je veux lire quelques mails, que les Africains quelques messages qu'on a reçus. Je regrette, malgré tout son passé historique glorieux, Mugabe a tué lui-même la révolution qu'il a mis en marche. D'accord. Et l'histoire le jugera pour cela. Alors, il y a Vondo de Limbé qui dit Mugabe est un vrai Africain. Cessez de répéter bêtement les mots des Occidentaux. Il y a Thierry qui dit vous parlez d'Occidentaux et de nos coutumes en Afrique, mais vous oubliez que vous avez copié l'Occident, car président, premier ministre n'est pas coutume africaine. Il y a Abdourahman de Maroua, pas étonnant que les RDPistes qui sont sur ce plateau soutiennent la longévité au pouvoir, ne seront pas malhonnêtes avec nous-mêmes. Charles de Garoua, monsieur Evariste, il faut poursuivre, vous n'allez jamais vaincre le maire Fotso, encore moins les RDPistes. Ce n'est pas le thème. Hein. Voilà. Evariste. Bon. Il y a un monsieur qui dit il est au Bénin, je crois. Oui, au Bénin. Est-ce que c'est bien de publier la photo d'un président qui est en train de manger publiquement? Ce sont les photos que moi j'ai récupérées sur Internet. Hein. Il est en pleine campagne. Il y a un autre qui est à Kara, au Togo, Banassa. Il dit qu'il est fier de Mugabe. Il lui souhaite une présidence à vie. Monsieur Eike, Thierry Eike, qui dit Monsieur Mouté, ne comparez pas Monsieur Mugabe au président Biya. Camille, depuis Bamenda, Mugabe est un modèle pour l'Afrique. Il a tenu tête aux Occidentaux. Il mérite du respect au même titre que Mandela. Ok, bon, on va sortir là-dessus. Vous aviez. Oui, juste pour dire que ça ne sert à rien de comparer. Hein. C'est-à-dire que nous sommes dans deux contextes différents. Voilà, donc. Comparer quoi? C'est-à-dire que de comparer le président Mugabe au président de notre pays. C'est deux contextes différents. Harare, c'est Harare, et le Cameroun, c'est le Cameroun. Voilà, déjà, même que sur l'âge, donc les deux ne sont pas. D'accord, restons à. Pas de comparaison. Changeons. Harare, il y a des faits qui indiquent que ce n'était pas bien. Vous l'avez dit. Voilà, donc, je précise pour que les gens comprennent très bien. Non, laissez les précisions, il n'y a pas de problème. Vous avez compris. N'insistez pas trop. Bon, on va passer. Tu penses que tout le monde adhère à la vision, là? Je pense que tout le monde va adhérer à cette chose simple. Tant que le peuple a besoin de son président, par élection, il reste là. Voilà. Ok. Tant que le vrai peuple. Bon, parlons des accords de partenariat économique. Le peuple profond. S'il vous plaît. Le peuple, c'est le peuple. Monsieur de la Cameroun, vous voulez faire l'émission à ma place? Le petit qui a un peuple qui a soif et qui a besoin d'être testé. Alors, on va parler des accords. S'il vous plaît, on va parler des accords de partenariat économique. Hein? Alors, l'information, je vous l'ai dit tantôt, a été rendue publique par le journal Repère. Et l'association citoyenne des défenses des intérêts des consommateurs. Non, excuse-moi, des intérêts collectifs. Collectifs, je m'excuse. L'ARDIC, c'est l'association des citoyens intérêts collectifs. Heureusement que vous êtes là. Voilà. Je m'excuse. Pour l'ARDIC. C'est notre partenaire de l'ARDIC. Oui, bon, d'accord. Mais c'est eux qui ont été les premiers à attirer l'attention des Camerounais sur ce qui pourrait se faire après le journal Repère en disant que c'est un danger. On va suivre la secrétaire permanente, si c'est prêt, de l'ADIC, qui tient donc à préciser les choses
sur le micro de notre reporter Elvis Beaufayondé. Nous avons proposé d'abord une libéralisation ou bien une ouverture de manière progressive. C'est-à-dire, l'Union européenne avait proposé 80% d'ouverture. Nous avons dit nous pouvons aller d'abord jusqu'à 50% et puis l'ouvrir de manière progressive pendant plus de 20 ans. Eux, ils ont proposé une période sur 12 ans. Nous avons dit 20 ans et même plus, parce qu'il va falloir regarder les économies dans chaque pays de la sous-région. C'est-à-dire, chaque pays a ses spécificités. Le Cameroun, par exemple, bénéficie même plus dans la sous-région parce que le Cameroun a la possibilité de libre circulation des personnes et des biens dans la sous-région d'Afrique centrale. Alors, le Cameroun peut vendre ses produits, peut vendre ses services dans la sous-région d'Afrique centrale parce que le Cameroun est bien placé. Le Cameroun est le plus gros bénéficiaire de la libre circulation des personnes et des biens. Donc, le Gabon n'a pas la même spécificité, ainsi que le Tchad, ainsi que l'Afrique centrale. D'accord ? Donc, nous demandons tout simplement le temps de construire nos marchés, de construire nos économies, parce que nos économies sont encore faibles. Et nous n'avons, comme je disais tantôt, nous n'avons rien offert à l'Union européenne en ce moment. L'Union européenne a tout pour nous tuer avec le dumping, que nous vivons même déjà sans avoir signé ces accords de partenariat économique. On a l'impression qu'au Cameroun, on ne pense pas développement. On ne peut pas penser émergence 2835 en signant des accords de partenariat économique. Parce que ces accords de partenariat économique ne prennent pas en compte, et voilà encore un problème, ne prennent pas en compte les priorités de développement des pays ACP. Donc ça veut dire que davantage il y aura pauvreté, il y aura chômage, et c'est ça que nous devons penser avant de vouloir signer des accords de partenariat économique avec l'Union européenne. Nous ne disons pas systématiquement non aux accords de partenariat économique, mais nous disons non aux accords de partenariat économique signés en son état actuel. Son état actuel qui ne prend pas en compte les soucis ou bien les priorités de développement des pays ACP. D'accord ? Mais il y a des opportunités qui s'ouvrent. C'est-à-dire si on vous demande d'entrer librement sur le marché mondial, sur le marché de l'Union européenne, ben c'est super. Mais ça veut dire que nos industries, nos PME, nos producteurs peuvent vendre librement dans ces marchés. Mais alors, le problème qui se pose, c'est où sont les produits ? Nous n'avons pas des industries, nous n'avons même pas encore des PME qui puissent produire des produits pour vendre dans l'Union européenne. Parce qu'après, ils vont vous demander des standards, ils vont vous parler de qualité, ils vont vous parler de quantité. Et nous n'avons pas encore rempli ces critères ou bien ces conditions pour vendre sur le marché mondial. Mais nous avons les matières de base, non ? Mais nous avons des matières de base, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces matières de base ? Parce que quand vous parlez même Union européenne, un peu en ce moment, on pense banane. Mais banane, c'est un individu seul au Cameroun qui est en train de produire ses bananes, ou bien qui fait produire ses bananes, environ 22 000 ou 26 000 tonnes. Mais ce n'est pas ça qui va faire développer notre agriculture. Ce sont les petits producteurs qui vont développer notre agriculture. Alors, vous avez suivi cette affaire des APE. J'ai l'impression que les Camerounais ne savent pas très bien à quoi on va être exposé. Hein. Elle a essayé d'en parler. Evariste Opoussi. Oui, c'est vrai. Le drame, c'est que la majorité des Camerounais n'appréhende pas encore le drame qui se tisse au-dessus de nos têtes avec cet accord de partenariat. En réalité, de quoi s'agit-il ? L'Europe nous demande d'établir avec elle un partenariat de libre-échangisme. Or, vous savez, on ne peut profiter d'un libre-échangisme que lorsqu'on est des forces égales, que lorsqu'on présente les mêmes arguments. Or, la libéralisation que ce partenariat nous impose, il s'agit de quoi ? On dit que nos produits, quand ils vont aller en Europe, ne paieront pas de droits de douane. Les produits européens, quand ils arriveront chez nous, ils ne paieront pas aussi, ou ils paieront juste. Mais le drame, c'est que
Nous n'avons rien à fournir dans ce... On n'a pas grand-chose à présenter sur ce marché d'échange. Nous n'avons que nos matières premières dont nous ne maîtrisons même pas les prix. C'est-à-dire les prix sont fixés par eux. Et eux, si nous acceptons ce genre de partenariat, ça veut dire qu'ils vont envahir, nous envahir avec leurs produits. Et première conséquence, l'intégration régionale qui était notre seul espoir sera balayée. L'intégration régionale au niveau de l'Afrique centrale sera balayée. Deuxième conséquence, notre faible tissu industriel ne supportera pas ce libéralisme, encore moins notre agriculture qui est notre espoir. Et la troisième conséquence, c'est que finalement, on va s'installer dans un partenariat tellement déséquilibré que nous redeviendrons le comptoir colonial que nous avons été pendant la colonisation. Voilà le drame qui guette le Cameroun si ces accords sont signés comme tels. Je n'entrerai pas dans les détails techniques, mais le drame se situe à ce niveau. Et que demandent les Africains globalement? Ils demandent que oui, nous on voudrait bien signer des accords de partenariat avec l'Europe, mais qu'on prenne en compte notre préoccupation principale qui est le développement. Donc qu'on intègre dans ce partenariat un volet concernant notre développement à nous, afin que nous puissions un jour être maîtres de notre destin, présenter sur le marché mondial des produits issus de du développement de notre tissu économique. Le drame, est là. C'est que si nous signons cet accord de partenariat tel qu'il est présenté actuellement, dans moins de 20 ans, on ne comptera plus comme pays présentant un intérêt quelconque sur le marché mondial. Alors, est-ce que ce n'est pas la preuve que l'espace économique européen est en plein effondrement? Parce que le fait qu'il pousse les pays ACP à signer cet accord-là, ça montre très bien que l'économie cherche absolument de nouveaux débouchés et ils sont en train d'user, Robert Moutet Ambassade, ils sont en train d'user de bâtons. Absolument. Parce que c'est pratiquement imposé, on nous force à signer. Oui, disons que cette situation quand même est assez préoccupante. Je ne sais pas si c'est déjà signé parce que le journal Repère, est-ce que c'est le journal Repère qui dit quand on a signé quelque chose? Non, non, c'est pas encore. C'est éminent classique. Ils ont dit qu'il y a une réunion au palais. Il y a eu une réunion au palais. Enfin, que le président Biya s'apprêterait à signer l'accord et à demander à ses collaborateurs puissent travailler là-dessus. En dépit des réserves de nos partenaires de l'Afrique centrale. C'est-à-dire que le président Biya a ordonné que le Cameroun signe ça. N'a pas ordonné, on ne dit pas là. Non, on dit qu'au cours de cette réunion, il l'aurait. Bon, moi, je veux mieux qu'on parle au commissionnaire, pour moi, c'est pas signé. Ouais. Mais je pense que ce type d'accord, en gros, c'est un marché de dupes. Parce que, quelque part, en Europe, quand il fallait faire tomber les barrières, ça a pris un certain nombre d'années de négociations. Parce qu'il fallait intégrer les spécificités de chaque pays. Et des dispositions ont été prises pour justement essayer d'éviter que les pays qui sont avancés n'absorbent les autres. Au jour d'aujourd'hui, il a dit, honorable, pour qu'il y ait libre-échange, normalement on devrait pouvoir amener les deux zones au même niveau et on laisse les choses se faire. Mais là, on n'exporte pas grand-chose vers ces pays. Et tout ce qu'on produit ici, notre petit tissu industriel, risque de tomber immédiatement et très rapidement. 20 ans, c'est trop. En quelques années, ça va tomber parce que la pasta qui fait des spaghettis, ces spaghettis viennent d'Italie à moitié prix. À moins de 6 mois, ils vont arrêter, ils vont virer. On va d'ailleurs voir le responsable de la pasta. Non, vous allez partir, les vins, les spiritueux, les whisky des entreprises camerounaises vont coûter beaucoup plus cher que ce qui vient de l'extérieur. Donc, je crois que c'est quelque chose qui est très dangereux et on risque de se retrouver à un moment donné avec toute notre industrie qui s'effondre et on commence à réacheter tout comme à l'époque d'indépendance et du coup, de l'extérieur, on peut même nous asphyxier, de l'extérieur, on peut nous atteindre, de l'extérieur, on peut tout faire. Donc, imaginez-vous par exemple des situations, des secteurs stratégiques comme le transport, avec la camélance, le raffinage et autres, qui sont des secteurs sensibles. Si demain, on ne peut même plus
avoir nos propres produits raffinés sur place parce qu'ils coûtent plus cher que ce qui est importé. Si on est en guerre contre un pays et qu'on nous coupe l'alimentation en carburant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc vous comprenez que c'est quelque chose qui, vraiment, il faut qu'on mette, si le Cameroun doit signer ce genre de document, on doit mettre suffisamment de garde-fous autour de tout ce qui est produit localement, ne doit pas entrer au Cameroun. Dès qu'un produit est produit localement, il doit être protégé. Et on accepte ce qui n'est pas produit au Cameroun. Peut-être, à ce niveau, on pourra quand même maintenir le tissu. Mais si on ouvre vraiment les portes, on risque de devoir foncer au mieux. Quoi. Alors, Delors Kamgen, sur justement ces accords de partenariat économique. Oui, là, je tiens à dire que ici, je suis mandaté par mes pairs de la société civile. Donc, je ne parle pas qu'au nom de la Ligue camerounaise des consommateurs, parce que la société civile, à travers une cinquantaine d'organisations, sous la houlette de ce qu'on appelle les jeudis de Cotonou et de la dynamique citoyenne. Cette société civile-là a tenu une rencontre le 22 février 2013 et a planché sur cette problématique. Il ressort de ceci en gros que le Cameroun n'est pas prêt. Le Cameroun ne s'est pas préparé suffisamment pour signer ces accords. Le Cameroun n'est pas prêt, pourquoi? Parce que, étant dans une sphère, dans un contexte d'intégration régionale, et même sous-régionale d'abord, le Cameroun ne peut pas être le seul à signer en Afrique centrale alors que les autres pays sont contre. Et pourquoi les autres pays sont contre? D'autres pays sont contre parce que ces accords-là ne sont pas lucratifs, ne sont pas bénéfiques pour les peuples de l'Afrique, pour les peuples de nos pays. Je ne veux pas utiliser les termes qui ont choqué, mais je veux seulement dire que des gens s'entendent le mois prochain, décident de venir nous prendre le peu de richesses qui nous restent. Prenons seulement le cas des PME. Les PME emploient combien de Camerounais? C'est-à-dire que combien de personnes? Vous voulez qu'on ouvre les frontières pour que les gens envoient des produits ici dont la qualité est même douteuse? Non. La société civile dit non à cela. On n'est pas prêt. L'Union européenne, dans le cadre d'un programme de formation appelé PASAP, a formé 15 entreprises. Une quinzaine d'entreprises sur des centaines, voire même des milliers d'entreprises qui sont au Cameroun. Pour prétendre que non, ces entreprises-là vont aller vendre des produits en Europe, vont exporter les produits. Quelle capacité ces entreprises-là ont quand on sait très bien qu'il y a les barrières non tarifaires qui se résument en ce qu'ils appellent les normes, notamment les normes sanitaires, les normes phytosanitaires. Donc c'est là où ça devient un marché de dupes. Et c'est là où nous, les consommateurs camerounais, parce que la Ligue camerounaise des consommateurs promeut ce que nous appelons la consommation vert, rouge, jaune, vert, étoile. Consommer camerounais d'abord. Et c'est pour cela que j'en profite pour dire qu'il faut consommer Cameco. Malgré tous les déboires que Cameco nous fait, il faut que le Premier ministre, les ministres, les Camerounais tout court consomment Cameco pour montrer le bon exemple. Est-ce que un discours paraît pas encore tenir? Ça peut tenir! Ça veut dire parce que nous sommes là, nous sommes face à un sujet. Nous sommes face à un sujet qui met en péril la souveraineté de nos États. C'est de ça qu'il s'agit. Et ceux qui susurrent sur le fait que le président aurait demandé, nous, on ne croit pas ça. Connaissant très bien le président, Pobia, on ne croit pas qu'il puisse demander quelque chose qui va à l'encontre de son peuple. Puisque j'ai parlé tout à l'heure du peuple, d'un certain peuple ailleurs. Mais le peuple camerounais, c'est un peuple qui aime son chef et c'est un peuple qui sait que son chef l'aime. Et dans ce contexte-là, on ne peut pas voir notre chef accepter que des gens partent en chômage, accepter qu'on nous produise, qu'on nous envoie n'importe quoi ici, alors qu'à retour, pour le moment, il n'y a que deux produits. Il n'y a que deux produits camerounais qui sont prêts à affronter la concurrence. La banane et l'aluminium. Et qui est qui sont derrière ça? Fait par qui? Les multinationales. Voilà. Ils donnent une main et ils répondent de l'autre. Croyez que nous sommes bêtes. Au dupe, on dit non à cela. Vous allez faire les Camerounais, vous comptez faire quoi si généralement on signe? On ne signera pas. On ne signera pas parce que je vous ai dit tout à l'heure que nous connaissons très bien
les intentions du chef. Et on sait très bien que ce président-là, Peubia, qui réfléchit plus d'une fois avant de faire des choses, avant de signer, c'est quelqu'un qui n'aimait pas signer. Vous voyez que dans beaucoup de cas, il est toujours presque le dernier à signer. Il n'est pas beaucoup signé. Donc, la presse a voulu faire cette action. J'espère partager votre optimisme. Non, parce moi, que, je parce suis que d'accord même, avec lui. J'espère partager votre optimisme parce que le même président n'a pas hésité en 2009 à signer des accords intérimaires aux grandes dames de ses partenaires de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest qui négociaient. Bon, j'espère que dans un accès, dans un réveil de cœur et de nationalisme pour le pays, j'espère qu'il comprendra que ce n'est pas de notre intérêt de brader notre économie pour des accords qui ne peuvent que nous écraser. Et je vais vous donner un exemple qui montre la mauvaise foi des Européens dans cet accord. À l'heure actuelle, ces mêmes Européens sont en train de négocier quelque chose du même genre avec les États-Unis. Et c'est les plus grands parmi eux qui lèvent leur doigt pour dire que non, ils ne veulent pas des accords de libre-échange. Ils parlent prosaïquement de l'exception culturelle, sous-entendu qu'il faut des particularités. Les Français, par exemple, hein, c'est ce qu'ils disent. Je ne les cite pas. Moi, je les cite à votre place. Alors, vous voyez la mauvaise foi. Quand ils traitent avec quelqu'un qui les dépasse, ils pensent à leurs intérêts nationaux. Mais quand ils traitent avec nous, ça ne leur dit rien. Ils nous proposent carrément d'ouvrir notre marché pour qu'ils viennent nous avaler. Comme il le faisait pendant la période coloniale. Non. Alors il y a M. du Gabon qui dit que les accords APE sont le volet commercial de l'accord. Non, vous avez parlé. Oui. Je prends quelques messages quand même. Oui. Les accords APE sont le volet commercial de la colonisation, de la recolonisation. Zinga Angula qui est en Belgique qui dit mais comment pouvoir échapper à la signature des APE quand on sait que le Cameroun utilise une monnaie comme le CFA qui est totalement sous le contrôle du Trésor français. Gamal Yorgan dit les accords de partenariat économique ne servent pas l'Afrique et le Cameroun car les Européens nous enverront de la merde comme produit pour on consommera de la mauvaise qualité et en plus ils ne paieront pas la douane et nous on ne pourra rien envoyer chez eux. On prend un dernier hein, quand même. La signature des APE correspond à la mort programmée de l'économie camerounaise car les forces en présence sont entièrement déséquilibré. Démeni, qui dit qu'on veut développer son pays, on n'exporte pas son sous-sol. Oui, juste une précision pour dire avant-mettre, pour dire que le débat se poursuit même au niveau européen. C'est ainsi que le 25 janvier 2013, à une forte majorité, dont 24 voix pour et 2 contre, le comité du commerce extérieur a décidé de négocier avec la Commission et le Conseil sous la base de la première position du Parlement, qui était celle du report de la date de la suppression des facilités d'accès au marché européen du au 1er janvier 2016, au lieu du 1er janvier 2014. Donc du coup, on n'est pas pressé, parce que désormais le délai n'est plus le 1er janvier 2014, mais ça ira au 1er janvier 2016. Donc il est question pour nous de mûrir la réflexion. De mûrir la réflexion. C'est pour ça que je dis que. Voilà. Donc, et parce que nous sommes mûrs, il ne faut donc pas qu'on signe. Parce qu'en signant, les répercussions sont gravissimes et les consommateurs camerounais ne sont pas prêts à supporter cela. C'est pour ça qu'ils ont foi en leur chef et pensent que ce chef éclairé-là ne va pas signer parce qu'il est derrière la signature dont nous comptons sur lui pour rester là. C'est un journal qui a lancé l'espoir. C'est un journal qui a lancé. Même si un journal a lancé, on profite pour en parler. Justin, que le président ne signera jamais quelque chose qui va contre son peuple. Ne vous avancez pas trop. Je vous lis juste rapidement ce message avant de vous passer la parole. Justin de ce camtou.com qui dit le général de Gaulle a dit il n'y a pas de relation d'amitié entre pays, il n'y a que des relations d'intérêt. Donc les autorités africaines doivent parfaitement intégrer cela. Bert Sokengoum, les Européens disent quand même qu'ils vont nous aider, notamment dans les domaines des infrastructures, du secteur agroalimentaire, industrie, juridique, pour renforcer nos capacités, pour que nous puissions nous aussi
a envoyé des produits chez eux. Tout à l'heure, Delors parlait d'une quinzaine d'entreprises sur des milliers. Hein? Dans le cadre du programme Bazar. Voilà. Si on ne signe pas, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on peut nous-mêmes refuser? Je me méfie des réactions. Je me méfie des réactions émotives. Vous voyez, à l'angélisme de certains discours, j'aimerais opposer, et je vais d'ailleurs opposer, les contraintes du commerce international et surtout la rigueur du droit. Avant donc de vous faire un peu, de vous présenter cette affaire, je vais faire un peu une historique, je vais faire un peu de l'histoire de la relation entre les pays ACP et l'Union européenne. Parce que depuis que nous parlons, pour quelqu'un qui ne s'y comprend pas, il va se demander, mais de quoi part-il exactement? C'est qu'au sortir de la colonisation, les Blancs ont eu, les Occidentaux, ont eu la sagesse de se constituer rapidement en une force économique à travers le traité de Rome de 1957. Lorsque les pays africains, essentiellement les pays francophones, ont eu obtenu leur indépendance autour des années 60, ils ont posé des nouvelles bases de la relation avec ces nouveaux États. Au lieu de la relation maître-esclave, ils sont passés à un partenariat quasi égalitaire. C'est d'ailleurs à Yaoundé que tout part, parce que les premiers accords entre la communauté européenne, qui va se transformer en Union européenne plus tard, partent de Yaoundé, par le premier accord de Yaoundé de 63, ensuite de 69. Malheureusement, les choses ne sont pas particulièrement améliorées. Alors, ils ont repensé cette relation à travers un cycle d'accords qui ont été signés à Lomé. On a eu Lomé 1, Lomé 2, Lomé 3, Lomé 4, et ça c'est au Togo. Alors ça va comme ça de 75 à 89. Malheureusement, en 89, vous avez compris rapidement de quoi il s'agit, la chute du mur de Berlin vient remettre même en cause la bipolarisation du monde. Cela chamboule les relations économiques entre les États. Et du coup, l'Occident se prend à rêver d'un monde de paix. Et ils imposent, ils introduisent maintenant des nouvelles conditionnalités dans les relations entre les pays européens, de l'Union européenne, et les États, et le groupe, on ne parle pas d'État, le groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Ils introduisent des notions comme le respect des droits de l'homme. Ils introduisent des notions comme une démocratie basée sur la transparence dans les élections. Bref, les considérations politiques et sociopolitiques prennent le pas aujourd'hui, prennent le pas sur les considérations économiques. Vous avez vu ce que cela a suscité, l'espoir du discours de la Bonne. Tout le monde pensait qu'à partir de 90, nos États seraient mieux gérés, les élections seraient plus transparentes. Mais on a tout fait de déchanter parce que les réalités du monde économique ont rattrapé cet optimisme béat dans lequel nombre des États et même surtout des citoyens de nos États ont voulu s'engouffrer. Arrive maintenant le renouvellement de ce partenariat qui a lieu en 2000 et ça a eu lieu à Cotonou. Et déjà, entre parenthèses, ce que nous appelons aujourd'hui le traité de Luanda, en réalité, est né dans le cadre de ce partenariat. Donc c'était le volet juridique, alors qu'il y avait un volet économique et un volet politique. Maintenant, nous passons à une phase supérieure. Ils estiment aujourd'hui que les États africains peuvent traiter avec des go à égaux. Est-ce que cela est possible? Et c'est là où intervient la rigueur du droit. En quoi intervient la rigueur du droit? Quand on parle d'accord, ça veut dire qu'il y a deux ou plusieurs personnes. Il y a deux ou plusieurs personnes. Donc, ce n'est pas une affaire qui concerne l'État du Cameroun contre l'Union européenne. C'est un groupe d'États. Alors, que peut l'État du Cameroun? Si vous dites que l'État du Cameroun ne signe pas et que la majorité signe, ces accords seront appliqués. Alors, pourquoi sommes-nous si frileux? Pourquoi sommes-nous si frileux devant ces accords qui s'annoncent et qui nécessairement seront signés? Nous sommes frileux parce que nous n'avons pas confiance en nos représentants, en nos dirigeants.
Et pourquoi ne sommes-nous pas confiants? Parce que ces gens, quelques-uns, ne sont pas vraiment libres. Pourquoi ne sont-ils pas libres? Parce que l'Union européenne les tient d'une manière ou d'une autre. Tout à l'heure, nous parlions du cas de Mugabe. Je vous disais que si Mugabe avait une résidence en Chine, avait une résidence aux États-Unis, il y a longtemps que cette résidence aurait été saisie. S'il avait un compte en France, il y a longtemps que ce compte aurait été saisi. Mais on ne le tient pas. Il se fait, tous ses biens sont dans son pays. Il se fait soigner dans son pays. Et en Asie aussi, hein, à Hong Kong. Hong Kong, il y a des comptes à Hong Kong. De temps en temps, il fait des incursions, mais il se fait soigner au Zimbabwe. Ça veut dire que ce que nous redoutons, un accord suppose la présence de deux ou plusieurs parties. Ce qui veut dire que chacune des parties est libre. Défendez vos droits. Défendez-les valablement. Comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, le monde, les États n'ont pas d'amis. Ils sont là pour faire le profit, pour protéger les intérêts. Raison pour laquelle nous disons simplement, moi en tant que juriste, et pour clôturer cette longue intervention, je dirais simplement qu'un accord suppose la rencontre de deux ou de plusieurs volontés. Alors, est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui à signer ces accords de partenariat? J'ai dit, en ce qui concerne le Cameroun, ce n'est pas très important, c'est un problème d'ensemble, mais nous disons que dans l'ensemble, nos États sont encore fragiles. Alors, d'ailleurs, le Premier ministre... Les ACP disent qu'en cas de refus, on pourrait voir des baisses de l'aide au développement. Oui, mais c'est de ça que je... C'est là où je voulais en venir. Marc Ayrault, écoutez, j'ai lu quelques journaux récemment, cette semaine, j'ai lu quelques journaux où tout le monde s'est indigné que la France a exclu le Cameroun. Mais mon ami, si vous vous laissez exclure, cela veut dire justement que vous êtes indépendant. Marc Ayrault, le Premier ministre français, a dit le Cameroun est aujourd'hui considéré comme un pays à revenu intermédiaire. Il n'est plus considéré comme un pays à faible revenu. Cela veut donc dire que le Cameroun s'émancipe. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas indéfiniment passer le temps à tendre la main aux gens et refuser leur conditionnalité. Alors, monsieur Fompoussi, émancipez-vous de ces gens. On vous a compris, maître. Alors, il y a ce lien qu'ils font au niveau de l'Union européenne où vous signez, ou si vous ne signez pas, nous allons baisser l'aide au développement. On parle d'environ 47% et autres. On se rend compte quand même que ceux qui ont signé les accords intérimaires en Afrique centrale, c'est le Cameroun. En Afrique de l'Ouest, c'est la Côte d'Ivoire, les deux poids lourds. Le Ghana. Le Ghana aussi. Hein. Le Ghana alors, aussi. Ce sont ceux qui exportent généralement des produits, les matières premières telles que le cacao, le café et autres. Thierry, moi je crois que c'est tout simplement du chantage. Et l'Europe n'a pas les moyens de cette politique de chantage à l'heure actuelle. Comme tu l'as si bien souligné, et Maître l'a dit aussi tout à l'heure, si déjà la France nous dit que nous ne sommes plus dans le champ de l'aide publique au développement, ça veut dire que nous pouvons nous en passer. Donc, moi je crois que ce chantage-là ne prend pas. L'Europe en difficulté veut se préserver un petit marché particulier en Afrique où il va déverser ses produits non concurrentiel. Moi, je crois que l'Afrique a intérêt pas à refuser de signer des accords. Non, nous sommes dans un monde globalisé où la mondialisation des échanges est de rigueur. Nous ne pouvons pas refuser de coopérer, mais nous devons coopérer dans l'intérêt de nos pays. Nous ne pouvons signer ces accords que si ces accords pour nous conduisent au développement. Et c'est pour ça que certains économistes africains proposent même qu'on remplace APE par APD, c'est-à-dire qu'au lieu des accords de partenariat économique, qu'on parle des accords de partenariat pour le développement. Donc si les Européens acceptent ils ne viendront pas vous développer. Non, je ne demande pas, maître. Je dis, nous demande de nous développer. Je ne demande pas que les Européens viennent nous développer. Mais que nous leur imposions ce volet. Si ça ne nous conduit pas au développement, c'est inutile pour nous. Nous avons dépassé le stade d'être de simples consommateurs. Mais c'est vous qui... On peut même se suffire du peu que
nous nous fragilisons parce que nous avons des gouvernements impopulaires et illégitimes. Vous, il vient de citer le cas de Kamer. Si on avait... c'est un mauvais modèle. C'est quelqu'un qui a signé. Je ne peux pas citer cet exemple-là. Okay. Ça ne sert à rien. C'est un mauvais modèle. Je disais simplement que les Africains n'ont aucun intérêt à signer ces accords dans leur État. Kamga Tengo qui pose une question qui est très intéressante. Il dit, mais pourquoi ne pas penser aussi qu'il soit possible de s'appuyer sur ces accords-là pour booster notre production agro-industrielle, au lieu de nous contenter d'une production africaine qui ne fait même pas 2% du PIB mondial? Les importations qu'on prétend craindre font déjà plus de 80% de ce que nous mangeons, portons ou utilisons dans nos ménages. Alors, est-ce qu'il ne faut pas cesser l'hypocrisie? Je réponds immédiatement. Oui. Voilà ce que demandent les Africains. Ils demandent que dans ces accords, qu'une grande place soit réservée à un système pouvant favoriser une sorte de partenariat d'assistance technique, financière, fiscale, afin de nous permettre de mettre en place un tissu économique capable de nous projeter dans la mondialisation actuelle. S'ils ne le veulent pas, nous ne signons pas, maître. Nous ne sommes pas obligés. Vous allez signer. Nous ne sommes pas obligés. Vous êtes obligés. On n'est pas obligés. Parce que vous êtes faible. Et vous êtes faible parce que vous vous affaiblissez. Vous vous affaiblissez Nous avons des dirigeants qui nous vendent. Mais écoutez, deux exemples simples sont là pour édifier cette situation. Lorsque au XXIe siècle, un ministre de l'Agriculture se balade dans le pays pour distribuer des machettes, au moment où on est déjà à la technologie mécanisée, et même déjà informatisé à certains égards, mais vous pensez que vous allez produire quoi pour exporter? Lorsque, prenant le cas de Camerco, vous citez le cas de Camerco, les dirigeants de Camerco ne sont pas camerounais. Pensez-vous qu'il manque de Camerounais pour être directeur général? C'est la fragilisation. Et j'ai rencontré un administrateur de Camerco il y a une semaine. Ça rejoint. Nous sommes dans un cadre économique. C'est la consommation, oui. C'est la consommation, nous sommes dans un cadre économique. Il nous faisait le reproche. Nous souhaitons un déjeuner camerounais. Nous faisions, s'il vous plaît, monsieur Thierry. Je vais lire le message. Vous permettez, vous allez le lire. Oui. Non, on n'est pas sur Cameco, mais je voulais vous donner un exemple. Encore la camerounisation, c'est aussi un exemple de l'APE. Non, nous parlons, écoutez, l'échange suppose quoi? Je vous vends tel produit, vous me vendez tel autre. Maître, vous occupez mon marché sur ce genre d'échange, on n'en veut pas naître. On ne veut pas de ce genre d'échange. Mais ce n'est pas. C'est un échange. Ce sont des échanges qui ne sont pas crédibles, qui ne sont pas sérieux, qui ne sont pas pertinents. Mais Camerounais. De quoi parlez-vous? Je vous parle de nous, c'est-à-dire du pouvoir de statut. Le vêtement que vous portez, le costume a été fait où? Mais c'est un costume camerounais, monsieur. C'est un costume sicam? Oui. C'est un costume sicam. On demande de consommer vers rouge avec toi. Mais c'est on notre pas souhait. Peur de dire. Mais ce on n'a pas souhait. Peur de le dire, maître, notre de consommer vers rouge avec étoile. Si vous êtes amoureux des produits importés, mais non. Nous refusons cela, on rechigne cela. Je ne suis et on pas demande aux Camerounais, des et on demande aux Camerounais d'avoir confiance en des produits qui sont faits par des Camerounais comme eux-mêmes. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec vous que, à la tête du Cameroun, par exemple, un Camerounais est digne. Moi, j'ai vu l'autre jour, on installait avec beaucoup de bruit, beaucoup de tapage, beaucoup de flanflon. Un directeur général adjoint de Kamel Koke Camerounais, non. C'est un DG Camerounais. Il y a Robert Yannick qui dit que beaucoup de Noirs sont victimes du complexe afro-africain. Il y a un autre monsieur qui n'a pas son nom. Les conflits entre partenaires ne sont pas toujours négatifs. Si vous les abordez de la bonne manière, vous ferez naître des émotions chez votre partenaire. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Il dit ce que je dis. D'accord. De ne pas mettre l'émotion. Patrick estime que la ville dans la main, négocions bien avec elle et tournons le dos à l'Europe. Darius de Yaoundé, les Européens sont des truands. Ouais. Nos dirigeants doivent faire attention. C'est bien dit. Phil. Il y a qui dit, monsieur Fokoussi, nous allons signer. Que vous le vouliez pas. Lui va signer, pas nous. Lui signera, Philippe, pas nous. Patrick estime qu'il faut commencer par penser une nouvelle monnaie africaine, ce qui ne serait plus dictée par l'Europe. Ensuite, nous pourrons faire le poids.
Abdoul depuis Obala, dites à M. Evariste Opoussi que ce n'est pas parce qu'on est opposant qu'on s'oppose à tout. Bissou de Yaoundé, le Cameroun ne doit pas signer ses accords. La France est en récession et est obligée de publier de faux chiffres sur son économie. Les rapports de force sont en train de changer. Mais que valent nos dirigeants? C'est là le problème. Didier estime que nous allons droit au mur. Même le piment ne franchira pas les barrières non tarifaires. Oui, Didier. Hein, il demande que nous puissions. Et vous savez, pourquoi ça ne franchira pas? Pourquoi? Parce qu'on va fixer des conditions d'empaquetage, d'emballage, de contrôle, des normes qui feront à ce que notre ciment, notre piment ne sera pas compétitif. Ce sont des mesures non tarifaires que j'ai lancées tout à l'heure, maître. Non. Ce sont des mesures non tarifaires. Les tarifs, vous savez, les accords entre les ACP et l'Union européenne étaient surtout concentrés dans le passé au niveau des tarifs douaniers préférentiels. Oui. Aujourd'hui, on est passé à une phase supérieure. Comme l'a si bien dit l'un des internautes là, intervenant directement dans notre débat, c'est un problème de rapport de force. Et vous devez mesurer vos forces et les accroître. Nous avons des produits nationaux que même l'État devrait promouvoir. S'il vous plaît, à l'époque, quand j'ouvrais un journal comme Amina, les produits de beauté, c'était le fèvre, c'était Clarine, c'était des produits totalement étrangers. Mais j'ai découvert avec une grande surprise qu'il y a une entreprise camerounaise, Biopharma, qui a inondé... Faudra accroître Biopharma, monsieur. Mais justement, je suis d'accord avec toi, voilà. Qui a inondé non pas l'Afrique centrale, mais qui va même jusque dans des pays en Afrique australe et même en Afrique de l'Ouest, et qui risque même de conquérir l'Europe. Malheureusement, je sais qu'au niveau de l'Europe, ils seront bloqués. Donc il y a des entreprises comme Biopharma que l'État devrait accompagner. Il y a d'autres entreprises citoyennes. Voilà le vrai problème. Le débat, c'est... Thomas ce Camtou.com, il dit la vraie question serait, est-ce que le Cameroun a les moyens de dire non? Question. Oui. Le Cameroun est souverain. En ce moment, le Cameroun est souverain. Est-ce qu'on a les moyens de dire non? Il est souverain, il peut dire non. Nous sommes un pays souverain. Voilà. On peut dire non, quelle que soit la conséquence. Et on doit dire non. Quelles que soient les conséquences qui peuvent venir après. Parce que nous sommes un pays souverain. Mais à côté de ça, nous pouvons aussi jouer sur les barrières non tarifaires. Parce que vous savez, quand un produit vient d'Europe, il est conditionné d'une certaine manière. Le même produit, quand il va au marché central, il est vendu dans une certaine manière, il est conditionné d'une certaine manière. On exige nos façons, nos conditionnements. Et on va bien voir qu'ils ne pourront plus envoyer aussi. La norme. La norme. On crée notre norme. Parce que vendre le piment en boîte et vendre le piment tout frais sur les tables, c'est deux choses différentes. S'ils doivent nous vendre le piment de chez eux, ils ne doivent pas venir en boîte. Ils doivent venir piment tout frais. Et comme le piment qu'on vend au marché central. Bien piquant. Et bien piquant. Et quand vous allez mettre ce type de norme, évidemment, ils ne pourront pas envoyer. Mais, comme l'a dit Maître, ils ont d'autres astuces pour essayer de nous fragiliser. Fermer la frontière. Donc, quand tu parles de rien que la monnaie, le fait qu'on n'ait pas une monnaie, soit camerounaise, soit africaine, la convertibilité sur le plan international et tout ça. Je pense qu'il faut continuer à repousser, faut continuer à dire non, en attendant de trouver, en attendant de nous mettre dans des positions où on pense qu'on est peut-être en équilibre. J'allais simplement ajouter... On n'est pas prêt. Ajouter que l'Europe n'a aucun intérêt à trop tirer sur la corde. Elle n'a plus sa position d'antan en Afrique. Absolument. L'Europe n'est plus le principal partenaire économique de l'Afrique. Oui. Absolument. Et c'est irréversible. L'Europe doit comprendre ça. Et quant à l'aide publique au développement, tout le monde est d'accord que le principe a échoué, que l'aide publique au développement n'a apporté aucun développement. Ça enrichit des aristocrates, des oligarques partout dans le monde, mais ça a tout apporté, sauf le développement. Il y a une Kenyane qui a sorti un excellent livre il y a quelques années sur l'aide. Et je crois que tout Africain a intérêt à lire ce livre. Donc, que l'Europe ne nous fasse pas chanter. Elle n'a plus la position qu'elle avait. Les Africains peuvent résister et tirer le meilleur de ce partenariat s'il faut le signer ou le laisser tomber s'il ne faut pas le signer. Non, une petite parenthèse, Thierry. Oui. Une parenthèse qui vous concerne, vous de la télévision. Oui. Est-ce que vous ne vous êtes pas rendu compte qu'il y a quelques années avant la création de nos télévisions,
les produits vendus en Afrique, les publicités se faisaient sur des chaînes françaises. Aujourd'hui, aller dans 100 ménages, même chez les membres du gouvernement, sur 98% des gens suivent des chaînes nationales. Non, ça, c'est sûr. Ouais, ça, c'est sûr. Ouais. Vous ne verrez, vous ne verrez plus à TF1, j'ai été un peu... Non. Ce sont des chaînes camerounaises. C'est fini. Mais vous voyez, c'est un grand pas. C'est un grand pas, c'est pour dire que... Je confirme, mais oui, même la publicité. Mais la publicité. C'est pour dire que nous sommes, chez nous, c'est nous sommes dans une dynamique. Voilà. Ah, on est dans nous sommes dans une dynamique de maîtrise, de développement. Il nous suffit maintenant un coup de pouce. Absolument. Et qu'on n'ait plus des ministres qui distribuent des matières aux planteurs. Mais qu'on finance des PME qui veulent monter. Thierry, je dis oui pour deux raisons. La toute première, c'est que notre politique budgétaire est de notre totale responsabilité. La France, l'Europe ne finance plus les budgets africains. Chaque pays africain se débrouille pour faire sa politique budgétaire. C'est vrai, sur le plan des échanges, nous sommes handicapés par le franc CFA. Mais ce n'est pas, l'euro n'est pas notre principale monnaie d'échange à l'heure actuelle. Ça, ce qui veut dire qu'on peut même, engager une preuve de force avec l'Europe sur le CFA, étant entendu que l'Europe sera obligée de nous écouter. Mais quand vous parce que si tu es trop sur la corde, on est en mesure de rompre avec le CFA sans disparaître. Donc moi je dis que avec l'Afrique a les moyens. C'est un problème de volonté politique, Thierry. La plupart de nos dirigeants cotisent encore l'Europe pour que l'Europe les maintienne au pouvoir. C'est pour ça qu'ils signent des accords clandestins. D'accord. C'est tout. Alors, Delors, je prends sa chute pour dire que, heureusement, ce n'est pas le cas avec le Cameroun. On n'a pas encore signé. Au Cameroun, on n'a pas un dirigeant qui courtise ces gens-là. Pas du tout. Et vous savez très bien comment il est. On sait très bien comment notre dirigeant il est. C'est un souhait, il est ferme. Je dis, ce n'est pas une question de souhait. On parle de jurisprudence. On parle de faits. On parle d'expérience. On parle de ce qu'on sait quand même, de ce qu'on connaît, de ce qu'on maîtrise. Il a signé l'accord intérimaire de 2009. Je vous dis que nous sommes les derniers à signer tout ce qui concerne les accords, tout ce qui concerne l'éducation. Parce qu'on prend plus de temps. On prend plus de temps à réfléchir. Il y a deux points. Deux arguments forts pour dire non, pas maintenant. Pas non, non. Maintenant, non, pas maintenant. Premier point, les entreprises locales ne sont pas prêtes. Pas du tout. Est-ce qu'elles seront? Si ces entreprises, elles seront. Parce que l'Union européenne, dans son fameux programme, n'a pu mettre à jour, n'a pu recycler, entre guillemets recycler, qu'une quinzaine. Sur plusieurs centaines, voire des milliers. Des milliers. Secondo, il ne s'agit pas d'une affaire Union européenne, un État. Il s'agit d'une affaire Union européenne et des régions ou des sous-régions. En Afrique centrale, les autres pays ne sont pas d'accord. Ils ne veulent même pas entendre parler. Et étant dans un contexte, étant dans une phase où l'intégration sous-régionale est enfin en train de vouloir démarrer à travers, dès le 1er janvier 2014, la libre circulation des personnes et des biens. Vous comprenez qu'il faut faire attention. Il faut faire attention pour que cette affaire d'APE ne vienne pas empêcher les Camerounais d'aller librement au Gabon, en Guinée équatoriale, ou cela de venir chez nous. Donc, nous sommes là face à une situation très sérieuse et on a un chef d'État très sérieux qui ne va pas signer maintenant. D'accord. Alors, moi, je vous propose de regarder un peu le reportage, de suivre le reportage qu'on est allé tourner aujourd'hui. Nous sommes allés à la rencontre de certains responsables, notamment ceux qui ont des entreprises, qui peuvent être touchés par la signature de ce type d'accord-là. On revient en studio dans une minute. Après l'accord d'État paraffé en décembre 2007, le Cameroun pourrait d'ici à octobre 2014 définitivement ratifier les accords de partenariat économique APE. Quand l'Union européenne vient négocier avec le Cameroun, il va négocier avec le Gabon, il va négocier avec la Guinée équatoriale. Attendez, ce sont des accords de dupes qui négocient globalement avec la CEEAC. C'est un groupe qui peut s'organiser et qui peut défendre ses intérêts. Loin d'être une opportunité économique, la signature des APE s'avère en réalité un marché de dupes si l'on s'en tient aux produits concernés. Ils nous disent, les accords nous porteront
par exemple, que sur le cacao. Cacao transformé, il faut insister sur transformé, sur les fruits et sur la banane. Lorsqu'on regarde quel est l'apport de ces produits dans notre PIB, on voit que, effectivement, ces produits ne nous apportent pas grand-chose. De même, ces accords de partenariat économique seraient une véritable opération suicide pour notre secteur industriel qui représente à peine 2% de notre économie. Nos produits locaux seraient confrontés à des problèmes de compétitivité avec pour corollaire de lourdes conséquences. Chez nous, à la passage, c'est 800 emplois. Ce sera la fermeture de pasta et pans d'années. Si aujourd'hui on devrait importer la farine venant et les pâtes venant d'Europe, ce sera le chiffre d'affaires conséquent. Les impôts à payer, qu'on paye, vous prenez ne serait-ce que le minimum d'impôts que l'on paye sur 50 milliards de chiffre d'affaires par an, sans compter les droits de douane que l'on paye sur nos équipements. Par ailleurs, les accords de partenariat économique sont contraires à l'idéologie du commerce mondial qui signifie libre-échange et donc liberté dans le choix de son partenaire commercial. Ainsi, la solution réside dans la recherche par le Cameroun d'autres débouchés, mais surtout d'autres partenaires économiques comme la Chine et la Russie. Alors, vous venez de suivre le reportage en question. Hein. Oui, Abdallah, vous avez... Je voudrais dire que si on prend le cas de la farine, hein, c'est-à-dire que de l'industrie minière, c'est une industrie qui se bat beaucoup pour le bien-être du consommateur. C'est l'une des rares filières où on a des baisses de prix. Par exemple, sur le sac du prix de la farine et tout, même si le consommateur ne ressent pas toujours ça à travers le poids du pain, hein, c'est-à-dire que la baguette de pain, qui reste parfois très mince, c'est-à-dire que très faible, hein, toujours est-il que c'est une filière propre. Mais malheureusement, ces gens ont déjà affaibli presque toutes les usines. Toutes les usines qui font la farine au Cameroun sont presque fermées à cause de la concurrence déloyale des produits importés, notamment d'un de vos pays qui grandit là-bas, donc la Turquie, pour ne pas la nommer. Vous voyez? Et ces produits qui, pour la plupart, d'après les responsables de ces filières-là, ne respectent même pas les normes. Donc vous comprenez que si maintenant on ouvre le marché, il n'y aura plus d'usine du tout et tout le monde sera dans la rue. Plus de barandiers. Quand dans une affaire comme celle-ci, les consommateurs et les opérateurs économiques sont main dans la main, je ne vois pas qui peut essayer d'aller contre eux. D'accord. Alors, montez en bas ça. Mais disons que c'est une situation très très complexe et je l'ai dit au départ, c'est un marché de dupes. Hein, et il est souhaitable que notre pays ne signe pas ce document tout seul. Il faut voir avec tous les autres. Et si les autres sont d'accord de signer, il est souhaitable que des dispositions soient prises pour essayer d'encadrer nos produits, les produits produits localement, les protéger, continuer pour demander une dérogation, je ne sais pas, sur 50 ans peut-être, continuer à protéger nos produits, continuer à essayer de voir comment les protéger à travers les barrières non tarifaires. J'ai parlé d'un cas de base simple du piment. Nous, on aime manger du piment frais, qui est vendu au marché, et piquant. Voilà. On ne va pas prendre des piments qui viennent des piments en boîte. Et des piments froids. Froids qui viennent d'ailleurs, non. La norme, c'est piment tout frais. Alors justement, c'est un exemple là, vous avez, que, oui, vous avez parlé de... que eux, ils auront des difficultés à faire arriver des piments tout frais. Mais vous avez oublié la corruption. Ça devient aussi des barrières. Oui, mais vous avez oublié la corruption. Est-ce que justement, même si nous mettons en place nos propres normes, est-ce que, justement, elles vont être respectées quand on sait que la plupart des fonctionnaires ou des agences sont fragiles nous avons une agence nationale pour la norme. Hein, oui, et il suffit qu'elle fasse son travail en mettant les normes pour tous les produits, normes africaines. La norme n'a pas encore de moyens pour faire son travail, donc que le gouvernement donne l'argent à la norme. Il est membre du conseil d'administration. Il sait pourquoi. Il sait pourquoi il en parle. Que le gouvernement donne l'argent à la norme parce que la norme ne ressemble même pas à la norme. Dites que vous êtes le. Non, je ne parle pas pour la norme, je dis juste que on remarque que la norme ne fait pas encore bien son travail parce que le gouvernement ne lui donne pas les moyens qu'il faut. On va voter un budget et puis n'avoir même pas un quart. Vous comprenez donc. C'est le membre du conseil d'administration qui parle. Non. Vous êtes membre du conseil d'administration. Thierry, moi je crois que pour sortir de ce sujet, moi je dirais que je ne suis pas de ceux qui demandent aux Africains de ne pas signer des accords. Non. Je veux que ces accords soient renégociés parce que dans un monde
dans un monde d'interconnexion, dans un monde globalisé, on ne peut pas ne pas signer des accords de partenariat. Mais plus tard. Mais il faut les négocier dans notre intérêt. Il faut y inclure un volet développement. Au cas où ce volet est inclu, les Africains peuvent signer n'importe quel accord sans avoir peur. Et ils ne se feront plus imposer des accords. Et là-dedans, je reviens sur ce que vous avez souligné tout à l'heure. Si on inclut des accords de développement, ça veut dire que la balle de la responsabilité revient dans notre camp. Nous sommes obligés d'être plus sérieux, d'être plus transparents, d'être plus performants, d'être plus prévoyants et surtout de mettre en place des règles claires de gestion des hommes, des règles de transparence pour éviter les fraudes électorales, pour éviter la corruption et afin de mettre en place des institutions solides qui peuvent nous permettre de supporter la corruption. Je vais dire quelques mots. Il y a Isaac qui est au Niger. Isaac au Niger qui dit que le chef de la délégation de l'Union européenne au Cameroun veut offrir cette signature comme trophée avant de quitter l'autre pays. Il y a un monsieur qui parle, Philibert, il dit qu'il faut qu'on cultive notre propre blé ici, hein, pour ne pas être indépendant. Il faut qu'on permette d'acheter les machines. Alors, Patrick dit que la Nord existe et les immeubles s'écroulent à Douala et partout dans le pays. C'est parce que la subvention n'arrive pas à Nord. La subvention est faible. Vous parlez en tant que membre du conseil d'administration. Non, du tout. J'ai dit juste qu'on ne donne pas la subvention qu'il faut à Nord. Le même fil dit APE égale accord privilégiant l'Europe. Pour lui, c'est ce que ça veut dire. Il y a un monsieur qui ne donne pas son nom, qui dit, nous voyons déjà l'impact palpable avec les accords sino-camerounais. Et c'est parce qu'il veut dire exactement, parce que même la collaboration Chine-Cameroun, il y a des choses à voir. Isidore, qui dit, vous parlez de libre circulation, quand un journaliste camerounais est chassé du Gabon alors qu'il a eu un visa. Ça, c'est arrivé hier. Hein. Un journaliste c'est le 1er janvier 2014, libre circulation. Oui, d'accord. Mais un visa qui a été chassé, qui a été rapatrié sur le Cameroun hier soir. Non, c'était un vrai visa. Bon, Diderot dit le Cameroun va signer parce que étant des faussaires, ils vont profiter de l'intégration pour envahir les voisins. Ça c'est relatif. Hein. Bon. Sans point de vue. Donc Dominique dit qu'après avoir importé les Chinois qui vendent sur notre trottoir ici, nous ne serons pas surpris que le régime signe les yeux fermés l'APE. Non, c'est faux. Hein? Il estime que le pouvoir est au Cameroun le premier adversaire de l'économie nationale. Hassan dit la douane produit beaucoup d'argent à l'État. Si on supprime, ça serait un manque à gagner financier. Jules dit que. Jules estime que ce que vous dites par rapport aux chaînes locales, Maître Kengoum, n'est pas vrai parce que pour lui, les chaînes locales ne sont pas les plus regardées du pays. Si elles sont. Elles sont. Dika Aboya estime qu'un pays est souverain déjà par sa monnaie. Or, notre refus d'émancipation relève du fait de nos dirigeants. Fidélis estime, comment pouvez-vous oser concevoir un Cameroun sans quoi, je sais pas. Sans l'Europe, c'est ce qu'il veut. Ok, regardez un peu autour de vous et enlevez tous les étrangers. Ce débat ne sera même pas possible. Nous n'arrivons même pas à nous imposer dans la sous-région. On prend un dernier, hein. C'est Bidassike sur camtour.com. Il dit que qu'on fait... L'association des consommateurs contre des opérateurs de téléphonie mobile qui matent des Camerounais. Non. Non, je dis là-dessus. Je dis là-dessus. On va faire une émission dessus. Mais je dis qu'on fait des actions. Ça, c'est pas la PE. On a des actions qu'on mène tous les jours contre les entreprises anti-citoyennes qui tuent les Camerounais. Maître à la parole. Oui, Thierry. Après avoir suivi l'honorable Paul Sopan et le patron de la PASTA, dont j'ai le privilège de porter le même prénom que lui, M. Tawamba. Lorsque je l'écoute, lui particulièrement, en tant qu'opérateur économique, je suis un peu inquiet. Inquiet parce que je constate que nous demeurons toujours dans cette phase émotive qui ne nous avance pas. Nous disons, il ne faut pas qu'on signe, il faut que ça va nous faire ceci. Mais que font-ils? Que font-ils? Vous savez, il y a deux types de défense des intérêts. Il y a une forme de défense collective qui se fait bien naturellement par le biais de nos États ou bien par le biais des regroupements régionaux comme la CEAC, la CEMAC. Mais il ne faut pas exclure les actions individuelles. Si cette opération peut me faire perdre
4 à 5 milliards. Pourquoi je ne pourrais pas mettre sur la table 100 millions pour faire entendre ma voix au-delà des frontières de mon pays et aller même créer des mouvements de lobby au sein même de l'Union européenne? Parce qu'ils ne parlent pas toujours tous d'une même voix. À l'intérieur, il y a des voix dissidentes, il y a des voix dissonantes au sein même de l'Union européenne, quelques-uns qui estiment qu'ils ne peuvent pas continuer à supporter cette politique expansionniste et hégémonique de l'Europe sur les pays qui sont faibles ou ont été même affaiblis justement par cette Europe. Alors que peuvent-ils faire? Ils peuvent, dans un groupe, faire appel à des experts pour lire pour eux ces tests, mettre en place un groupe d'économistes, des groupes de juristes, pour préparer des réponses solides qu'ils feraient traduire en anglais et ils inondent les pays concernés. Ils vont au-delà de l'Afrique pour toucher les pays, même des Caraïbes, du Pacifique. Qu'on puisse les entendre, c'est ça qui nous manque. Le lobbying. Le lobbying, la mobilisation. La société civile est totalement amorphe. Non. Lorsque je dis ça, vous dites, nous avons pris position le 22 février 2013, la question. Vous ne représentez rien. Je représente la société civile ici, s'il vous plaît, monsieur. Voilà, donc maître, soyons polis. Ce n'est pas la première fois, maître. Quand je parle de la société civile. Vous êtes assez discourtois et on n'acceptera pas ça comme ça, maître. Non, quand je parle de la société civile, vous êtes en train de vous limiter au triangle national. Ce n'est pas un combat qui concerne le Cameroun. C'est un combat qui concerne un groupe des États, de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Je ne vous dénie pas ce rôle de sensibilisation. Je dis simplement qu'au-delà de nos frontières, un opérateur économique comme la PASTA peut très bien constituer une équipe personnelle, individuelle, pour préparer avec des groupes. Tout à l'heure, j'ai cité un groupe. Il y a des groupes comme de TAL. Il y a des Cométal, il y a les Biopharma, ces gens peuvent se mettre ensemble. Il y a des groupes comme des ISACAM, ils peuvent se mettre ensemble pour développer une stratégie et inonder, ne plus dépendre par exemple des regroupements patronaux comme le JICAM ou le MEC ou le MECAM et autres, mais préparer une riposte personnelle et envoyer des gens faire du lobbying, non pas seulement au Cameroun ou dans des pays africains, mais même en Occident, à l'Union européenne. D'accord. Quand vous voyez ce qui se passe à l'Union européenne, on ne voit quasiment pas ces opérateurs économiques, si oui, des acteurs de la société civile. On va terminer, on va quand même donner la parole aux Camerounais. On a demandé aux Camerounais ce qu'ils pensent, la préférence entre produits locaux et produits importés. On termine là-dessus, on regarde le reportage, le Vox Pop, et puis on termine là-dessus. Produits locaux. Parce que les locaux aussi, il s'agit peut-être de l'agriculture, il n'y a pas trop d'engrais. Et ça donne moins de maladies aussi. L'essentiel pour moi, c'est ce qui dure. Que ça soit importé ou bien que ça soit local, mais il faut que ça soit ce qui est important, peu importe le prix. Même si c'est cher, mais pour eux, ça dure. C'est un peu ça. Moi, je préfère les produits de mon pays. Pourquoi? Parce que ce sont ces produits qui m'ont fait grandir. L'impression est simple, c'est que les produits locaux sont respectés des normes, dans les normes du pays. Et c'est aussi une manière de valoriser notre propre culture. Pour les produits importés, bon, moi je trouve que c'est une marque de déculturation totale. Hein. Oui, et j'ai même l'impression que ça coûte même plus cher que les produits locaux. Je préfère les produits importés. Hein. Les produits importés. Parce qu'ils sont plus fiables que les nôtres. Je préfère le local. Pourquoi? Oui, parce que c'est fait chez nous et c'est avec des matières très précises, c'est bon. Je préfère les produits locaux, justement parce que nos produits sont fabriqués à base de nos matières premières et aussi parce que ça ne coûte pas cher. Bon, vous avez suivi, hein? Vous avez suivi, on préfère les produits locaux. Hein. Consommer camerounais. C'est grâce à ça que nous sommes ce que nous sommes. C'est grâce à ça qu'on a la pointe qu'on a. Et c'est grâce à ça qu'on demande à ce que cette affaire d'APE, on puisse revoir ça des années plus tard. Pour le moment, nous ne sommes pas prêts. Pour le moment, qu'on laisse les économies africaines continuer à faire le bonhomme de chemin parce qu'elles sont encore fragiles. Les Européens ont pris des siècles et des siècles pour se construire. Nous, on n'est pas encore prêts par rapport à cette affaire d'APE. Et au Cameroun, on a la chance d'avoir un chef qui écoute son peuple et un chef qui ne signera pas ça maintenant. Bon, ok.
D'accord. Passons à notre sujet. C'est sa conclusion à lui. Hein. C'est pas la nôtre. Hein. Oui, non, non, la vôtre, on la connaît. Je dis notre conclusion, c'est que les Africains prennent leur destin en main, négocient pied à pied tous les accords qu'ils veulent signer avec les partenaires internationaux dans le sens de leurs intérêts. Il peut louer son chef comme il le veut, mais ce sont des chefs comme le sien qui vendent l'Afrique. Et qui, parce que je lui rappelle que son chef a signé l'accord intérimaire en 2009 sans consulter les autres partenaires africains. Bon. Alors, il ne faut pas nous abandonner. Ok. Passons au sujet qui concerne les listes de l'ECAM. Qu'est-ce qu'il y a ce fou rire? Il faut vous faire partager le rire, comme ça on va tous rire ensemble. Et les camarades du nom public, les listes des candidats, 1er août dernier, 48 listes sur les 250, 63 listes sur 797 ont été rejetées. Ça, c'est ce qui concerne les candidats aux conseils municipaux. Et 48 sur 250, là, c'est sur les candidats à la députation. Hein. Donc, bien entendu, les listes du parti au pouvoir sont de passé. Oui, mais de manière globale, c'était c'était bien. Hein? Les partis d'opposition ont été assez secoués. On va donc dire que Mouté Ambassade, le RDPC est le seul parti qui maîtrise vraiment le processus du dépôt des listes et autres. Oui. Ben, disons que on a vu lors des sénatoriales. On a eu des erreurs chez nous et qui nous ont fait perdre des régions entières. Donc on a capitalisé ça et cette fois-ci, les conseils étaient stricts. Il fallait s'assurer que tous les documents demandés par la loi et par le parti étaient en place. Et je crois que tous ces contrôles sont faits à plusieurs niveaux. C'est la raison pour laquelle on a eu ce résultat où on a eu très très peu de rejets. On a capitalisé les problèmes qu'on a eu lors des sénatoriales. Et je pense que ce que moi j'ai vu et que j'ai vécu dans mon département, les listes étaient bien ficelées. Bien ficelées. Mais vous avez quand même déposé, paraît-il, vos listes le jeudi matin, après 7 heures, alors que le délai était le mercredi à 17h. Les listes de députés sont arrivées la veille vers 23h. Bon, maintenant, l'ECAM peut prendre un an pour travailler s'ils veulent, mais nous on est arrivés avant l'heure. Le seul mot que j'ai retenu d'intéressant, c'est qu'ils disent qu'ils ont tiré les leçons dans la constitution de l'Union. Effectivement, tirant les leçons de vos mésaventures, en ce moment-là, vous avez pris l'ECAM en otage, cette fois-ci totalement. Non, c'est votre la preuve, comme l'a dit Thierry. Non, mais c'est les journaux qui le révèlent. Hein. Ce n'est pas moi, ce n'est pas de la propagande, c'est de la réalité. Premièrement, la plupart de vos listes ont été déposées hors délai. Deuxièmement, l'ECAM a mis du blackout pendant cette période pour vous laisser le soin de venir tripatouiller, changer les noms, changer les pièces de la manière la plus illégale. Donc, tant que l'ECAM continuera à être une sorte d'antichambre du comité central du RDPC, il n'y aura pas de transparence électorale. Nous assumons toutes les erreurs que nous avons pu faire, mais le jeu n'était pas égalitaire, le jeu n'était pas normal. Jusqu'ici, le jeu n'est pas normal. La lutte continue. Il y a des acquis, mais la lutte doit continuer. Le jeu n'est pas normal. Et les camps ne jouent pas franc jeu. Et les camps a été totalement pris en otage par le RDPC et ça continue à fausser le jeu. Non, si je peux dire quelque chose, vous savez, personne ne peut. Et je me réjouis qu'au jour d'aujourd'hui, on parle très peu des membres du conseil électoral qui étaient à l'époque des RDP6, qui ont démissionné parce qu'ils ont été désignés. Aujourd'hui, tout le monde est un peu d'accord pour parler de neutralité. Je crois que vous continuez à réagir un peu comme, je ne sais pas, une chèvre qui est attachée, on coupe la corde et pense qu'elle est toujours là. Pourtant, elle est libre. Donc je crois que les choses se font bien, mais les gens, dans leur façon de voir, d'apprécier, gardent tout ce côté qu'on triche, on triche, on triche. Le RDPC est venu à 23 à peu près, avec beaucoup de listes, c'est vrai, mais c'était dans les délais. Maintenant, si l'ECAM mettait suffisamment de gens en face pour traiter tout ce dossier en moins d'une heure, évidemment, il n'y aurait pas eu de problème. Maintenant, si on dit que les dossiers ont été déposés jusqu'au lendemain,
à ma connaissance, de ce que j'ai pu voir ou entendre, je me suis renseigné, l'heure des PC est arrivée avant, avec ces listes. D'accord, il est arrivé à 23h, ouais. Mais elle est quand même peut-être pas tout le personnel. Elle est quand même libérée pendant une semaine ou deux semaines. Voilà, donc ce n'est que le matin qu'elle est quand même commencé à... Non, c'est pas, mais nous on a déposé, elle est quand même dans les décharges, mais là ils ont commencé à traiter. Alors, c'est vrai ce qu'il dit. Est-ce qu'il était candidat, lui? Non. Mais en tant que membre de la société civile, il peut enquêter. Il peut être que le point de vue qu'il y ait des journaux. Il peut enquêter. Vous savez, dans les journaux, il y a plusieurs types de journaux. Pro ceci, pro cela. Monsieur Abassa, les consommateurs consomment tout, hein? Tout à fait. J'ai des fois également les consommateurs de la politique. Et ils sont des électeurs. Ils sont des électeurs. Tout à fait. Nous encourageons les consommateurs à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Tout à fait. Et aller retirer leurs cartes. C'est une bonne chose. Parce que pour ceux qui disent que la politique ne sert plus à rien, c'est la politique qui nous fait. Si vous ne faites pas la politique, politique va vous faire. Ça, donc du coup, nous sommes très intéressés par la question. Tout à fait. Nous disons quand même que si, même si les listes du RDPC sont arrivées à 23h, et que le RDPC est resté jusqu'à 7 heures. Donc, le RDPC travaillait avec les membres de l'ECAM. Bon, ça veut dire que l'ECAM était encore ouvert. Et pourquoi l'ECAM n'a donc pas accepté que les autres partis politiques qui étaient retardataires puissent venir déposer la liste dans la mesure où l'ECAM était encore ouverte? Oui, mais attendez. Parce que l'ECAM n'est pas arrivé avant. Il fallait arriver avant minuit. La question, c'est de savoir si l'ECAM est fermé. Et quand vous déposez votre dossier, il ne faut pas qu'il manque quoi que ce soit. Déposer. Je crois qu'on est clair. Il y en a qui sont venus déposer. Voici un dossier. Déposer votre dossier, vous venez vous déposer. Il faut qu'il soit complet. Écoutez, ce n'est pas à la direction générale de l'ECAM de voir si les pièces sont complètes. Si. Non. Si. Non. Si. Ce n'est pas le rôle de la direction générale, monsieur. Il contrôle. Vous dites les textes, monsieur de grand militant. Monsieur de grand militant, vous dites les textes. C'est qui la direction générale reçoit et c'est le conseil qui étudie, monsieur. Oui. Voilà. Donc ce n'est pas le conseil qui était là, c'était le personnel de la direction générale qui était là. Et donc le personnel devait juste réceptionner et déposer. Tout ce qu'elle devait avoir mis. Malheureusement. Tout ce qu'elle devait avoir mis. Malheureusement, a été accepté. La presse a révélé certaines choses. La presse. C'est-à-dire que des incohérences. Et si nous ne sommes informés que par la presse, dans la mesure où les consommateurs n'étaient pas présents, c'est-à-dire que tous les consommateurs du Cameroun, les 20 millions de consommateurs ne pouvaient pas venir et piller là, au siège de l'ECAM. Donc les consommateurs camerounais, eux, ils attendent que la presse leur révèle des choses et ils donnent leurs commentaires, leurs avis, leurs observations par rapport à ce produit que la presse a rapporté. Donc nous disons juste que dans un esprit de logique, d'équilibre, on ne peut pas voir des lumières et voir des personnes qui travaillent à l'intérieur et dire non, vous, on ne vous reçoit pas. Hein? Si l'ECAM voulait faire sérieux, l'ECAM allait juste réceptionner à 23h les dossiers des candidats du RDPC et à minuit, c'est fermé. Personne n'entre ici après minuit et le travail est terminé. À ma connaissance, voilà, donc ça, c'est, reçu nous sommes dans un... tous les dossiers qui sont venus avant minuit. Avant minuit, d'accord. Ceux qui sont venus après minuit, ils ont refusé. D'accord. Alors, Maître Kengoum, je ne sais pas si vous avez lu la presse, là, mais il y a les médias tels que l'Aide du Sahel, l'hebdomadaire régional, qui démontre, preuve à l'appui, que le RDPC aurait modifié certaines de ses listes législatives dans le Grand Nord. Ils font des zooms, on voit bien qu'il y a des noms. Même ici à Douala, paraît-il. Hein? Douala de Nubel. Douala de... L'ECAM a tellement modifié qu'il y a introduit des prisonniers et s'est même trompé du nombre. C'est-à-dire que la liste qui est sortie est même incomplète. Alors, est-ce que ça ne donne pas, l'impression qu'on est dans un match de football qui va se jouer le 30 septembre, mais on a un arbitre, l'ECAM, qu'est-ce qu'il y a son camp et qui peut siffler un pénalty alors que la faute s'est passée au milieu du terrain. Hein, pénalty en faveur du RDPC. Personnellement, je trouve ça un peu surréaliste. Parce que sur le plan pratique, quand on consulte les pièces à produire, on vous parle de casier judiciaire B3, on vous parle d'extrait d'acte de naissance, à ne pas confondre à une copie d'acte de naissance. Parce que l'extrait d'acte de naissance s'établit dans votre lieu de naissance. Alors, par quelle alchimie ces gens dont les noms ont été introduits ont pu confectionner en quelques heures tous ces documents pour pouvoir les déposer dans les délais? Ça, je me pose la question, n'étant pas impliqué dans ces opérations. À moins que certains partis politiques n'aient tenu des listes d'attente.
des candidats d'attente au cas où, pour éviter justement ce qui est arrivé lors des sénatoriales, ou pour une question d'acte de casier judiciaire B3 à Sancho, la candidate de Sancho, qui est partie se faire établir un casier judiciaire dans un commissariat, au lieu de le faire dans un tribunal. Et ça a invalidé toute une liste de l'Ouest. J'ai trouvé ça vraiment bizarre et surréaliste. Donc pour moi, il y a un peu de surréalisme. Mais d'un autre côté quand même, revenant sur le travail de l'ECAM, il faut reconnaître que ce travail n'est pas facile. C'est bien de critiquer, mais ce travail n'est pas facile. Il faut toujours encourager les efforts quand ils se montrent. Alors regardez, j'ai ici entre les mains ma carte d'électeur. Voici ma carte d'électeur. Combien de Camerounais ont une carte d'électeur? Parce que c'est là où se situera le véritable débat. Parce que ça, c'est un pouvoir, c'est une voix. J'ai une force. Si ces Camerounais avaient tous leur carte d'électeur ou s'étaient mobilisés pour l'avoir, ils constitueraient une force. Et pour terminer, je dirais que c'est encore la faiblesse des Africains. Nous parlons beaucoup, nous voulons beaucoup de choses, mais nous ne nous donnons pas les moyens, quand bien même les portes nous sont ouvertes pour y arriver. Les cartes nationales d'identité ont été quasiment offertes aux Camerounais par le chef de l'État. Très peu de gens se sont empressés. On dit même que ceux qui s'y sont rendus ne sont pas allés retirer leur carte nationale d'identité. On a décidé de faire la carte d'électeur. Donc, pour dire simplement, l'ECAM a fait un travail remarquable. Il y a des couacs. Et il y a aussi des instruments juridiques, il y a des organes pour pouvoir corriger ce qui a été mal fait. S'il y a eu des erreurs, s'il y a eu des fautes, je pense que le Conseil constitutionnel devrait siéger et sanctionner et rendre sa décision. Je vous ai posé la question de savoir si l'arbitre n'est pas en train de jouer pour un temps. Non, je vous dis qu'il y a de l'imperfection dans toute œuvre humaine et que pour une structure qui vient de naître, reconnaissons que dans l'ensemble, ils ont fait un travail remarquable. Maintenant, il y a quelques imperfections. On doit tout leur pardonner parce qu'ils ne leur pardonne pas. C'est pour ça qu'il y a des organes juridictionnels pour sanctionner ce qui a été mal fait. Ils ne sont pas juges arbitres. Il y a au-dessus d'un organe juridictionnel qui doit et qui est chargé de statuer sur les irrégularités constatées à leur niveau. Oui. Et c'est ça un état de droit. J'allais ajouter à cela que malheureusement, l'ECAM n'est toujours pas le seul acteur majeur dans cette histoire. L'État ne rate aucune occasion pour s'en mêler aussi. Le jeu a été faussé en amont avec la loi électorale qui a carrément prescrit un scrutin censitaire. Vous avez vu que dans beaucoup de circonscriptions, le parti au pouvoir va gagner des postes de députés et de mairies sans concurrent. Et vous savez pourquoi, Thierry? Non. C'est surtout à cause de la caution. Dans les zones rurales, rares étaient les endroits où les Camerounais pouvaient eux-mêmes trouver 50 000 francs pour constituer une caution. Or, le RDPC étant au pouvoir et utilisant les moyens de l'État, s'est arrangé pour payer ses cautions partout. Aucun parti politique, c'est la réalité, mon cher. Aucun autre parti n'avait les moyens pour payer les cautions. Conséquent, avant même que le match ne commence, le RDPC a déjà eu réserve de moins 5-0. Donc, qui se chiffrera dans l'ordre de 30 à 40 députés, de 100 à 200 mairies, où le RDPC disait ça. Donc le jeu n'est toujours pas fair play, le jeu n'est toujours pas clair, et les Camerounais doivent continuer à lutter. Je veux préciser en disant que le RDPC n'a pas payé de caution pour ses militants. C'est chacun qui paye sa caution. Au niveau des députés, le titulaire et le suppléant devaient conjointement payer leur caution. Au niveau des municipales, chacun candidat au poste de conseiller devait payer ses 50 000 francs. Et c'est ce qui a été fait. Donc le RDPC n'a pas débloqué des sommes pour payer pour ses militants. D'accord. Alors, justement, Delors. Voilà. Je confirme ce que dit le grand frère Moutarba, parce que je suis conseiller municipal sortant.
de la commune de Topépenga. Quelle obédience, quelle partie? Sortant, sortant. Quelle partie? Sortant, c'est tout, sortant. Donc, je pense que c'est sortant. J'ai arrêté de faire la politique. J'ai arrêté de faire la politique. Je m'excuse. J'ai arrêté la politique. Et chacun peut. Vous étiez, ça s'est passé. Voilà, oui, donc, justement, chacun ça ne devrait pas vous choquer. Chacun peut, à un moment donné, arrêter cette activité. Changer l'étiquette de monsieur de la Camerounaise sur le plateau. Non, c'est pas la réalisation. C'est pas pour rien que vous approuvez. J'ai été OSF. Vous êtes un nomade. J'ai été OSF. Vous méritez votre souvenir de Magellan. Voilà, donc, fais le tour du monde. D'abord, c'était pour confirmer ce qu'il dit. Ok. C'est un peu ce qui dit que chaque candidat, même dans les zones rurales comme Jobenja ou ailleurs, chaque personne alors, paye. Question. Le secrétaire général du RDPC a envoyé des missions d'apaisement à travers le pays pour conforter les candidats malheureux et autres. C'est ce qu'il a fait. Hein, il y a des gens qui sont allés dans le pays là récemment ou qui doivent aller. Je ne sais pas si sont qui doivent aller. Hein, pour réconforter, parce qu'il y a quand même eu un malaise dans Moutambassa. Non, je sais que durant les investitures, il y a eu beaucoup de problèmes, on ne va pas revenir dessus. Ça a été dit un peu partout. Même en interne, les militants ont fait des requêtes au niveau du parti, jusqu'au président national, partout. Mais au jour d'aujourd'hui, les listes qui ont été investies sont les listes RDPC. Ce n'est plus les listes de qui que ce soit, c'est les listes du parti. Et le parti doit commencer à travailler dès maintenant pour qu'au 30 septembre, comme une seule personne, qu'on aille tous dans la même direction. Ça, c'est le gros du travail qu'il y a à faire en ce moment. Et bon, évidemment, il y a un communiqué qui a été signé du SG qui parle de descente imminente. Pour dans les régions. Pour inciter les militants à aller retirer leurs cartes. Mais pourquoi faire quand on sait que Eric a demandé qu'on vienne retirer la canalité. Donc, c'est une mission qui officiellement n'est pas pour cela. C'est pour aller recoller les morceaux. Puisque le directeur général de l'ECAM a dit « Venez retirer vos cartes avec vos cartes d'identité. » Vous savez le gros des militants. Non, a dit qu'on peut voter, qu'on peut voter avec les cartes. Le gros des électeurs sont des militants RDPC qui, pendant des mois, ont été encouragés par leurs cadres du parti qui ont aidé les militants à aller s'inscrire. Au jour d'aujourd'hui, le gros des cartes qui ne sont pas retirées, il faut reconnaître que c'est aussi l'ORDPC. Et du coup, l'ORDPC repart sur le terrain pour faire le sens inverse, aider les militants à les retirer. Parce que vous savez, quand vous voulez gagner, il faut quand vous voulez voir, ménager votre monture. Donc, quelque part, il y en a qui ont refusé de s'inscrire. Nous, on a encouragé les militants à les s'inscrire. Au jour d'aujourd'hui, il faut retirer les cartes. Nous savons que le gros des cartes, c'est les militants de l'ORDPC. Il vaut mieux pour nous aller sur le terrain, encourager ces militants à prendre ces cartes, parce que le moment venu, au 30 septembre, c'est vrai qu'il y a une nouvelle disposition qui a été prise par l'ECAM qui dit on peut voter avec sa carte d'identité, mais il y en a qui n'ont même pas cette carte d'identité. Les domaines n'ont pas besoin. Bon, alors je vais lire rapidement, quelques messages là. Et l'ECAM est partisan, c'est Jérémy Le Douala qui lit. Et l'ECAM est partisan, comment expliquer le rejet des listes de l'opposition pour des raisons du genre équilibre, alors qu'il y a des listes de RDPC qui contiennent toute une famille et qui sont validées. Mais là, ils se trompent. Quand il y a équilibre genre, c'est que là où il y a trois, peut-être, députés, il faut peut-être deux hommes et une femme. Là où il y a deux, on peut mettre un homme et une femme. Là où il y a un, on peut mettre soit l'homme, soit la femme. Mais ce n'est pas les histoires de famille, parce que quand on dit ça, les gens le disent, mais allez vérifier. C'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent avoir des liens de parenté qui sont dans la même liste, mais qu'est-ce que vous voulez? Alors, mais ce n'est pas vraiment... Il n'y a pas de qui dit, M. Fopoussi, mais vous parlez de caution. Est-ce qu'on fait de la politique quand on est pauvre? Hein? Si vous n'avez pas l'argent, vous ne faites pas de la politique. C'est vrai ce qu'il dit là, ouais. Tu as raison. Alors, il y a Phil qui estime qu'il faut bien préciser RDPC, pour lui, égale SDF. On va revenir à ça dans une minute, hein, parce que c'est une question qui est importante. Monsieur Fopoussi, vous êtes de tous les consoles au SDF, vous critiquez les CAM et les RDPC. Or, si vous aviez réellement le soutien du peuple, avec ou sans les fraudes et les obstacles, vous ne crierez pas au loup tout le temps. Il y a un monsieur qui demande, mais pourquoi aller chercher une carte comme maître... Et comme mettre Kengoum, alors que ça ne servira à rien. Il faut l'avoir. Jean estime que on arrête la langue de bois, et l'ECAM est partial.
C'est qui Dany Adoala, maître, la scène politique n'inspire pas confiance. Pouvoir et opposition, c'est la même chose. Il y a un autre monsieur, il ne donne pas son nom, qui dit que ELECAM est une filiale du RDPC. Comment comprendre que la liste de ce parti municipal soit validée avec 39 noms au lieu de 41? Ça, c'est dans la tête. Brice, bonsoir. Est-ce que ELECAM joue vraiment son ça rôle? Ça peut être un problème de saisie. Bon. Un opérateur qui est dans son coin, dans la précipitation. Monsieur Moté, ici, il n'y a pas de problème de saisie. Il faut être très sérieux. Parce que c'est un travail très sérieux, ils ont des moyens pour être sérieux. Alors, donc, quand il n'y a pas de problème de saisie. Quand c'est 41, c'est 41. Donc là, vraiment, le seuil de tolérance est à zéro. D'accord, alors s'il vous plaît. Sur 360, ça j'aurais dû vous mettre du même côté parce que vous êtes du même parti. Non, je n'ai pas de soi. Moi, je posais la question. On voit bien que, est-ce que ça ne va pas avoir un impact quand même, vous qui êtes un peu des observateurs extérieurs, à part M. Fokoussi, parce que lui, il souhaite qu'il y ait un impact sur le RDPC. Maître Kengoum, est-ce que le fait qu'il y ait des mécontents, parce qu'il y en a, hein, ces gens qui vont aller faire le tour du pays, là, c'est pour calmer les mécontents. Est-ce que ça ne va pas avoir un impact sur leur vote, notamment en faveur du parti au pouvoir, selon vous? Pour moi, c'est une question qui n'est pas franchement intéressante. Parce qu'il s'agit de la cuisine interne du RDPC, tout simplement, c'est la cuisine interne. Et les adversaires, s'ils sont intelligents, en profiteront. Hier, les autres partis politiques ont profité des défaillances du RDPC en arrachant 14 sénateurs, 14 c'est pas rien. Et si aujourd'hui on peut leur grignoter aussi des places aux législatives ou aux municipales parce qu'ils ont commis, ou vice-versa. Donc, je pense que c'est une question interne au RDPC qui n'affecte pas franchement la situation du Cameroun. Alors, au niveau du SDF, est-ce que vous aussi, vous n'avez pas souffert de cela? Parce qu'on a vu qu'il y a des circonscriptions, il y a eu des problèmes. À Douala Premier, ici, par exemple. C'est interne? C'est des problèmes qu'on a rencontrés dans tous les partis. Et il revient à chaque parti de calmer ses militants, de les discipliner afin que tout le monde regarde vers la même direction. Nous, au SDF, nous sommes investis malgré les blessures des primaires. Vous savez, nous avons systématisé les primaires chez nous, ça a créé des blessures. Mais nous nous sommes investis pour que tout le monde regarde dans la même direction. Donc, moi, je crois que si le RDPC n'arrive pas à calmer ce genre de problème, dans son camp, c'est son problème. C'est non, pas mais le RDPC, comme vous le connaissez, est une machine. Mais justement, dès qu'elle se met en marche, justement ça aussi, parce qu'ils ont bétonné la voie avec une loi électorale taillée sur mesure. Quand il y a des dispositions vagues, comme les composantes sociologiques, comme le genre, sans qu'on puisse préciser, la loi puisse préciser avec objectivité ce qu'il faut faire, combien de femmes faut-il, ça donne le choix à l'ECAM de faire de la politique de deux poids, deux mesures. Et l'ECAM, attendez, et l'ECAM a rejeté certaines de nos listes pour des histoires de composants sociologiques, alors qu'il y a des listes de RDPC. Où il y a la moitié des candidats sont constitués d'une même famille. Il y a un monsieur qui dit quelque chose ici. Je pense qu'il n'a pas raison quand même, parce qu'il dit, attendez, laissez-moi retrouver cela, parce qu'il dit qu'à Yaoundé 7, là, le délégué du gouvernement de Yaoundé, il dit que toute la liste appartient à Timi, sa femme, ses deux neveux, son cousin. C'est vrai ça? Non, moi, ma connaissance, non, je ne connais pas trop les liens de famille. C'est pas possible. Et les liens de, que les gens qui sont dans cette liste ont, je ne peux pas répondre parce que. Ah bon? C'est quand même vrai qu'il y a un des sept. Parce que moi, je viens d'Yaoundé, donc il y a un des sept, c'est pratiquement le village du délégué de Bellement qui a beaucoup d'infrastructures sur place. Mais concernant dans cette liste-là, je ne crois pas que les populations de Yaoundé 7 peuvent accepter ça, puissent accepter par la situation.
désagréable quand même que quelqu'un puisse mettre sous son épouse ses enfants et tout ça. C'est impossible que des militants convaincus et convaincants puissent accepter cela. C'est le mauvais perdant. C'est possible. Le mauvais perdant qui dit ça. Alors pour revenir au SDF, on a entendu beaucoup de choses aussi, hein, M. Valéry Soufou. Sur vos investitures, sur vos primaires. À un moment donné, on dit qu'il fallait même monnayer 5 millions. Vous avez entendu ça, n'est-ce pas? Rassurez-nous que c'est faux. Non, c'est faux. Personne n'a monnayé pour avoir le... Personne, Thierry. C'est faux. C'est faux. Et on a même dit que c'est le... Tchèman qui a 25 millions. Non. Le Tchèman a fait une blague lors d'un comité exécutif. Il a dit que c'est la dernière. Non, non, on a... Vous aurez martelé. Qu'est-ce que le Tchèman a dit? Non, on a fait une... Pendant les discussions du comité exécutif national, on a fait une blague, mais il n'a jamais été question chez nous qu'on demande de l'argent à qui que ce soit. Et personne n'a payé de l'argent chez nous pour être investi. Personne. À aucun niveau. Donc, c'est faux. Je pense que vous allez un peu trop loin. Je vais vous dire pourquoi vous allez un peu loin. Non, pourquoi? Qui était chargé d'investir les candidats? C'était les primaires. Il fallait d'abord passer par les primaires. Qui organisait les primaires? Mais le parti, les structures de base, ça commence par la cellule chez nous. Ce sont des hommes. Non, mais ça commence par la cellule. Ce sont des hommes. Ça va à la circonscription, ça va au machin. Vous affirmez que Timier Vuna a désigné ses neveux. C'est vous qui l'avez dit. C'est pas moi, Jérémy. C'est pas moi. J'ai dit qu'il y a des listes. Je ne pousserai pas l'indécence jusqu'à citer ces listes, mais je vous dis qu'il y a des listes dans lesquelles on a au moins 5 membres. Moi, j'ai envie d'entendre, de suivre l'argumentaire de Mekengou. Qu'est-ce que vous voulez dire, Mekengou? Ce que je veux simplement dire, c'est qu'au Cameroun, la structuration politique, ou si vous pouvez dire simple, la structuration des partis politiques, obéit à une loi pyramidale. Au sommet, on a le président du parti qui a tous les grands pouvoirs. Et qui doit être nécessairement corrompu. S'il vous plaît, je n'ai taxé personne de corrompu. Oui, allez-y, maître. Qui peut prendre un certain nombre de décisions sans consulter la base? Avant la rencontre entre les deux grands partis du pays, est-ce que vous pouviez mettre votre main au feu que votre président... Le président de votre parti allait faire ceci ou cela. C'est pour cela que je vous dis simplement d'être assez réservé lorsque vous parlez. Monsieur, quand je parle de ce qui se passe chez moi, je dis ce que je sais pendant plus de 10 ans. Vous savez ce qui se passe dans votre maison. Vous savez ce qui se passe dans votre maison en ce moment. Je sais mieux que vous. Vous ne pouvez pas affirmer. Je dis dans votre propre maison. Et c'est sûr, Petit pays a dit que quand les parents ne sont pas là, les enfants font des choses bizarres. Quelle chose? Non. Écoutez, c'est pour vous dire que. C'est de la hauteur à votre débat. Non. C'est des racontages du quartier. C'est de la hauteur, c'est pour vous dire que. Vous ne pouvez pas affirmer que vous connaissez ce qui se passe chez vous. Ça, c'est la stratégie de tout pourri que le RDPC utilise pour faire croire que tous les Camerounais sont pourris. Non, je ne suis pas du RDPC. Ça, c'est la stratégie de tout pourri. Je n'aime pas les Camerounais ne sont pas pourris, maître Kengou. Un officier de gendarmerie a tiré sur son propre fils. On se retrouve jeudi prochain. Croyant que c'est bien. Mais moi, j'ai entendu le statut de la diaspora qui... ont suivi en majorité cette émission, les téléspectateurs, les Camerounais de la diaspora, qui sont très sensibles à cette émission. Et naturellement, nous avons l'apéro samedi, l'apéro de main dans la main avec la chacha qui sera là. C'est la publicité, hein? Non, c'est pas la publicité. Hein? Main dans la main, c'est les Camerounais à Paris, jeudi à 22h. S'assembler avec Chantal Roger-Tuilé.